Mesdames, Messieurs, bonsoir. Olivier Biscay, je suis le directeur de la rédaction de Midi Libre, associé à cette conférence ce soir que je vais animer avec l'ensemble de nos intervenants que je vous présenterai évidemment tout à l'heure. Mais pour lancer cette soirée, j'accueille tout de suite Philippe Auger, président de l'Université de Montpellier. Sous vos applaudissements, bien sûr. Non, non, ah si, voilà. Ah. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je salue tout particulièrement Sébastien Chevalier qui a fait le déplacement. Sébastien, donc, qui est la, la formule exacte, donc chef du service de la coordination des stratégies d'enseignement supérieur et de la recherche, donc à cheval entre la DGRI et la DGCIP. Je salue également Michel Eddy un petit peu le régional de l'État parce que tellement Michel est là qui est haut fonctionnaire au développement durable pour l'enseignement supérieur la recherche tout particulièrement également un salut à eric serva mais qui aura l'occasion d'en intervenir je veux également l'ensemble des, des, des collègues de l'université des entreprises le, le président de BRL par exemple Jean-François Blanchet et donc je veux dire quelques mots d'accueil je vais être relativement bref parce que il s'avère que nous serons certains vont parler de nouveau demain et donc, pour être écouté, il vaut mieux que la parole soit rare. Et les politiques devraient le savoir, d'ailleurs. Alors, très heureux d'être là aujourd'hui pour lancer donc, cette deuxième journée, enfin, là, sera plutôt demain, cette deuxième journée donc, nationale consacrée à la transition écologique pour le développement durable dans l'ESR. Ça, c'est la journée de demain, j'en dirai un petit mot, mais l'histoire, quand même. Puisqu'on parle de l'eau, de se mettre dans le bain, eh bien, nous avions décidé de faire une conférence auparavant, donc ce soir sur la thématique de l'eau. Alors simplement sur cette deuxième journée, si c'est la deuxième journée, ça veut dire qu'il y a une première, bien évidemment. La première, c'était l'année dernière, donc à l'université de Bordeaux, inaugurée donc par la ministre de la Recherche Sylvie, Sylvie Retailleau et il avait été acté qu'il y aurait donc des points, réguliers, des points réguliers pour voir comment les établissements d'enseignement supérieur et de recherche eh bien, pouvaient donc je dirais s'imprégner ou du moins s'accaparer cette thématique donc du développement durable de la transition écologique et très heureux donc que cette deuxième journée se déroule à Montpellier. Alors, c'est assez logique, de par, finalement, le positionnement que nous pouvons avoir sur Montpellier. Nous avons une ici autour des sciences du vivant et de l'environnement, nous avons également une thématique particulière, donc, sur ou une visibilité particulière sur la thématique écologie dans le classement de de Shanghai, même si... Il faut faire attention à ce qu'on fait dire aux classements internationaux. On ne dirige pas un établissement donc, au vu de ces classements internationaux. Mais cette thématique donc, de la transition écologique et du développement soutenable, eh c'est quelque chose qui, déjà depuis plusieurs années, fait l'objet de... Prise de conscience, différentes actions conduites auprès de l'ensemble des opérateurs publics et privés avec des objectifs. Ça a été tantôt objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre, objectif aussi sur la préservation de la biodiversité. Eh bien, il y a une palette ou une diversité d'actions à conduire. Et donc, c'est en ce sens, mais Michel Eddy y reviendra, que notre ministère eh bien, a notamment élaboré son plan climat-biodiversité. Et a demandé donc aux établissements d'enseignement supérieur, eh d'élaborer leur propre schéma directeur. Et donc la majorité des équipes, donc en activité dans nos universités ou dans les écoles, eh bien, sont en train d'élaborer leur plan, qui doit, je pense, Michel, être élaboré avant fin 2024. Alors côté université de Montpellier, mais c'était aussi lié au contrat d'objectifs, de moyens et de performance. On a fait le choix d'aller un petit peu plus vite pour pouvoir finalement l'asseoir sur les moyens déployés dans le cadre du Compte, et donc nous l'avons validé récemment, donc, lors du, du dernier Conseil d'administration. Alors, je ne vais pas rentrer sur ce que va contenir ou ce que peut contenir un schéma directeur, puisqu'il est une série d'actions. Nous avons notamment voulu travailler sur ces questions d'études, dans un premier temps, sur les gaz à effet de serre, notamment ensuite sur la diversification de nos ressources, notamment... Une ressource électrique avec la question d'installation de, de panneaux voltaïques, la réalisation donc également de, de bilans carbone, la construction d'abris à vélo. Bon, c'est peut-être rien d'original, mais c'est des choses qu'attendent l'ensemble de nos communautés. Et je le dis devant la vice-présidente Frédéric Carcaillé qui a porté donc cette action. D'autant plus nécessaire de faire cela, c'est que nous allons tous passer, soit la vague 1, soit la vague 2, soit la vague 3, dans les contrats d'objectifs, de moyens et de performance des, donc, des établissements d'enseignement supérieur, ces contrats donc, de trois ans, avec des objectifs que nous devons remplir en tant qu'opérateurs de l'État dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et il y a effectivement un focus tout particulier sur la transition écologique, le développement soutenable et notamment donc, la question de la formation de nos étudiantes et nos étudiants. Donc autant profiter de ces schémas directeurs qui nous sont demandés eh bien, pour ensuite les asseoir donc, ou appuyer nos contrats d'objectifs, de moyennes et de performances. Ça, on aura peut-être l'occasion, et j'en suis sûr, d'y revenir demain. Néanmoins, avant-demain, il y a aujourd'hui. Et donc là, ce soir, eh bien, nous allons discuter de la thématique de l'eau. Et donc, une table ronde sur l'eau. D'ailleurs, la table n'est pas ronde et même l'auditoire ou les intervenants ne seront pas autour d'une table, mais c'est le concept. Alors, pourquoi l'eau pourquoi cette thématique de l'eau D'abord parce que c'est intimement lié quand même aux questions de transition écologique. Et puis, je dirais que si on regarde plus particulièrement sur Montpellier, il y a des logiques à traiter la question de l'eau. Alors, quelles sont ces logiques Je dirais d'abord, première logique, c'est que l'eau intéresse la diversité des communautés scientifiques, la diversité des communautés d'enseignants-chercheurs et de chercheurs. Puisque même au sein de la communauté, les sciences sociales, même chez les juristes, et eh bien la thématique de l'eau peut avoir donc un aspect, un impact important sur les questions de ressources, de qualité, de pollution, responsabilité et autres. Donc là, on voit bien que c'est une question transversale. Autre élément également pour traiter l'eau à Montpellier, eh bien c'est que vous le savez, j'ai dit licite que nous avons, c'est Nourrir, Soigner, Protéger, Science du vivant et de l'environnement, qui s'appuie sur trois communautés. Et finalement, l'eau eh est un élément qui lie les trois communautés. Puisque sur la biologie santé et la santé, il n'y a pas besoin de faire de grands discours pour voir le lien, effectivement, entre l'eau et la santé. La question agriculture-agronomie, il y a la question de la ressource, il y a la question également de la qualité des pollutions, et également notre troisième pilier, donc, qui est le pilier protégé, biodiversité, écologie, environnement, il y a la question aussi de la préservation des, des ressources, et qui peut avoir tout son intérêt et être au cœur de cette préoccupation. Et puis le dernier élément qui fait notre singularité, c'est le fait que nous ayons un centre UNESCO labellisé, donc, dont Eric Serva... Et le directeur, et qui finalement est un marqueur de plus du site Montpelliérain hein, sur cette thématique-là, qui finalement, avec les deux autres éléments que je développais précédemment, et eh bien montre en quelque sorte notre légitimité à traiter cela. Il y a un quatrième élément, mais ça, après, on va dire que c'est la construction, donc c'est du béton. Mais oui, peut-être. Mais il y a quand même aussi le fait que nous avons deux bâtiments, un qui est terminé et un qui va se terminer sur la question de thématique hydropolis pour accueillir, regrouper donc l'ensemble des structures de recherche et asseoir aussi donc la, la visibilité de cette communauté. Voilà, je, je ne serai pas plus long parce que je vais laisser la parole donc à Michel Eddy, puis à Eric serva et puis aux intervenants de la pseudo moitié de table ronde et donc au plaisir de pouvoir échanger cette soirée avec vous. Alors je remercie tous et tous ceux qui vont intervenir ce soir. Je, je, je reviendrai aussi demain dans les remerciements dans mon discours introductif. Mais en tout cas, je pense qu'il était intéressant de profiter, d'avoir un peu de temps au-delà d'une journée institutionnelle, et bien pour se pencher dans un système un petit peu informel, une question un petit peu informelle de quelque chose qui est transversal et qui peut tous nous mobiliser, y compris donc quand je dis tous, en tant que citoyens au quotidien. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Très bonne soirée et puis également très bonne journée à demain. Bien. donc bonjour à toutes et, et, et bonjour à tous et, et c'est un plaisir évidemment de prendre la parole après, après Philippe le président de l'université. De Montpellier et, 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 et de dire qu'effectivement, moi je suis heureux d'être ici. Régional de l'étape est une qualité qui me convient assez, surtout quand on parle des questions qui nous préoccupent. On sait bien que la dimension territoriale localisée auprès des acteurs a du sens. Tout ça n'est pas que des réflexions conceptuelles sur ce que sont les transitions écologiques à imaginer il faut surtout les faire et les réaliser. Pour ça, ça suppose d'être ancré dans le réel, d'être ancré dans le territoire et d'être ancré auprès des, auprès des acteurs. Donc, remercier Philippe, le président, et remercier tous les collègues de l'université d'avoir accepté d'accueillir cet événement et cette journée de demain, dont on ne va pas déflorer, moi non plus, les éléments. Vous serez... Vous êtes là ce soir, vous serez là sûrement demain aussi. Et donc... Mais, mais, mais dire que c'est effectivement un, un, moment, un moment utile, important... Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat de spéculatif avec Philippe pour savoir si c'est la deuxième journée ou si c'est la première. En tout cas, c'est vrai que l'an dernier, nous nous retrouvions à Bordeaux autour d'une thématique particulière qui est celle de la formation et de la formation des étudiants. Et que, dans une certaine logique, la ministre lançait très officiellement la démarche de déploiement du plan climat-biodiversité pour l'enseignement supérieur à la recherche et le développement soutenable qu'elle avait remise au Premier ministre. Aujourd'hui, demain, dans la réunion que nous tenons, nous, nous élargissons le, le, le champ et le propos. Là, pour le coup, euh, les thématiques qui seront abordées demain concernent l'entièreté du champ d'intervention du, euh, du plan climat-biodiversité et, et, et l'entièreté des institutions et des organisations concernées. À Bordeaux, du fait de la thématique, euh, les universités, les écoles étaient là et, et, et ont dialogué et discuté. Euh, Demain et ce soir déjà, il y a bien sûr les universités et les écoles, mais il y a aussi les organismes nationaux de recherche. Et c'est toute cette communauté d'acteurs, cette communauté d'établissements, 74 universités, on dit 230 écoles et une quinzaine d'organismes nationaux de recherche, qui est en fait la réalité des acteurs de terrain qui portent les politiques que nous devons maintenant déployer pour faire face et répondre aux défis que nous avons devant nous. Et donc l'idée de ces journées annuelles... Qu'on va essayer de répliquer tous les ans, c'est de se dire que malheureusement sur l'agenda, le changement climatique et la dégradation de la biodiversité est un sujet qui n'est pas appelé à s'éteindre immédiatement. Donc on aura malheureusement l'occasion de se revoir régulièrement pour en parler, parce que pour arriver à atténuer ou à s'adapter à ces situations, il va falloir que nous travaillions ensemble. Et donc l'idée, c'est bien de se rassembler dans une communauté d'engagement, de, 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 dans une communauté de valeurs, dans une communauté d'action, pour faire que ce que nous avons à faire et qui est notre responsabilité. À la fois de citoyens, parce que derrière tout ça, il y a, il y a des valeurs, il y a, il y a des enjeux, il y a des sujets sur lesquels on est préoccupé pour l'avenir. Et puis, il y a notre conviction aussi de scientifiques, parce que nous avons un rôle particulier en tant que scientifiques à tenir dans cette démarche. Et bon, et, et, et organiser cette journée à Montpellier, évidemment, a du sens. Et les propos de, de Philippe l'ont déjà largement éclairé. Mais, mais c'est vrai qu'ici, sur ce site, il y a évidemment tous les éléments emblématiques de ce qu'est cette démarche. Voilà. Et, et, et donc le choix de, de Montpellier et le fait que l'université ait accepté de nous accueillir et, et était été effectivement assez, assez logique. Alors, c'est vrai que Philippe en a parlé aussi. En tant qu'ancien président-directeur général du CIRAD, qui est un organisme de recherche très présent sur le site, je sais combien l'initiative de, de l'ICIT et de l'ICITMUSE nous a permis, autour de l'université, depuis maintenant quelques années, nous regrouper de manière très active et très fortement sur des, sur des sujets que nous avons tous en, en commun en couvrant... Le champ des thématiques qui concernent les trois acronymes, les trois mots structurants de l'icite nourrir, soigner, protéger. À travers ces trois mots, on voit bien que l'enjeu est un enjeu de dimension complètement sociétale, complètement globale et complètement mondiale, et avec des responsabilités très fortes qui sont les nôtres. Et cette soirée, finalement, puisque demain, c'est un peu le ministère qui est, j'allais dire, l'organisateur, même si heureusement que l'université nous soutient et qu'elle met à notre disposition toute la logistique pour nous accueillir de manière remarquable. Ce soir, c'est un peu la soirée de l'université, parce que c'est vrai que simplement accueillir pour accueillir, c'est sympa, mais accueillir pour montrer à tous ceux qui viennent que ce qui se fait déjà et qui est bien utile à la démarche, c'est aussi un élément de, utile de, de mobilisation. Donc, la thématique de ce soir, c'est l'université qui la tient, et elle a fait un choix, je le crois, vraiment très pertinent autour de cette question de l'eau. Alors, en plus, c'est vrai que ça intervient à un moment donné où euh, l'université a, a, a validé, il y a, il y a quelques, quelques jours, son, son schéma directeur, et on aura l'occasion d'en parler, parler demain. Mais, mais voilà, les choses démarrent ici, elles sont, déjà, elles sont déjà en route, et elles sont dans une logique euh, territoriale autour de l'université qui, qui porte sur tous les sujets, en mobilisant pas simplement les forces et les ressources de l'université, mais aussi tous les acteurs de, 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 du site qui sont déjà habitués à travailler ensemble à travers ce que et fait. Et puis, c'est vrai que les thématiques qui sont au cœur de la transition écologique et du développement soutenable sont des thématiques qui sont au cœur de la valence scientifique, de la spécificité scientifique et de formation de ce site. Et Philippe le disait, même si le classement de Shanghai a effectivement des limites méthodologiques et conceptuelles qu'il faut avoir à l'esprit, il n'est pas complètement innocent de dire qu'ici, nous sommes dans un site dans lequel nous sommes dans le top 3 mondial des institutions qui ces politiques en matière d'écologie et donc parler de transition écologique dans un site comme ça voilà vous comprenez que ça a du sens et, et ça va le permettre de le mettre en valeur à travers cette question justement justement de l'eau qui est un exemple pertinent parmi tant d'autres qu'on pourrait mettre en avant mais de cette spécialité de cette visibilité et de cette qualité de l'activité que tous les acteurs ont, ont sur le site et donc voilà donc le, le centre en plus le centre de, de UNESCO qu'Eric qu préside, qui regroupe aujourd'hui toutes les forces qui travaillent sur cette question de l'eau ici, sur le site, et, et c'est vrai que, j'y insiste, c'est l'eau dans tous ses états, et dans toutes ses dimensions, et dans tous ses usages. Et quand on parle de transition écologique, la question systémique, la question inclusive, la question d'une vision globale, elle, elle, elle est au cœur de, des bonnes démarches à porter, et, et pour le coup, ici, sur cette question-là, on a tous les éléments pour réussir, et, et vous allez le découvrir avec plaisir, je suis sûr, à travers la table ronde, pas tout à fait carrée non plus, qui va effectivement se tenir euh, maintenant. Donc voilà, moi je n'en dirai pas plus. Je, 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 je nous souhaite une, une, bonne, une bonne soirée, une, des échanges utiles et roboratifs. Et, 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 et puis, euh, voilà, qu'on partage notre énergie individuelle et pour transformer ça en capacité d'action collective, c'est bien l'enjeu de tout ça. Aujourd'hui, plus que jamais, impérativement, il ne s'agit pas simplement d'imaginer ce qu'il faut faire il faut faire ce que nous devons faire. Et donc ici, nous allons parler de cela. Et avec le thème de l'eau, on va entrer de plein pied dans le sujet, sans botte. Merci beaucoup. Eric Segreva. Alors, théoriquement, ça, ça doit me permettre... Mais oui, voilà, nous y sommes. Euh, très, merci beaucoup. Bonjour, euh, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un honneur de prendre la parole après euh, Philippe et, et après Michel. Euh, donc, dans le cadre de cette table ronde, l'eau dans un monde en, en transition. Alors, je ne vais évidemment pas faire une conférence qui pourrait durer euh, très longtemps. L'idée, c'est simplement à travers quelques grandes lignes et quelques chiffres peut-être d'introduire justement la, la table ronde qui suivra et de donner quelques, sans doute quelques pistes qui seront débattues ensuite par mes collègues dans, le, dans ce cadre-là. Alors le, le Centre international UNESCO de, de Montpellier a, a été mentionné tant par le Président que, que par Michel Eddy et je, je pense nécessaire d'en dire un petit mot avant de rentrer vraiment dans les détails en ce qui concerne les questions liées à l'eau. Dans la mesure où euh, il n'y a, euh, alors, ça, oui, ça va marcher. Non, c'est pas comme ça. Je vais y arriver. C'est pas exactement comme ça que ça doit marcher. Je ne sais pas ce qui se passe. Euh, évidemment, on n'est jamais trahi que par la technique ou par les siens. Donc euh, voilà, il faut ou par les deux à la fois, et en l'occurrence, ce n'est pas exactement comme ça que doit se dérouler le PowerPoint en question. J'ai beau appuyer sur le bouton dont tu m'as dit qu'il allait régler tous les problèmes... Alors, on va recommencer... Bon, alors il y en a un qui apparemment ne veut pas s'afficher... Bon, ce n'est pas très grave, on va commencer comme ça et on va avancer. Donc, le Centre International UNESCO sur l'eau qui est à Montpellier... C'est le seul centre international UNESCO sur l'eau qui existe en France. Pour vous donner une, une idée, euh, alors d'abord vous savez l'UNESCO il euh, y a des chaires et puis il y a des centres. Euh, et puis l'UNESCO souvent quand on dit UNESCO les gens disent ah oui patrimoine mondial de l'humanité. Mais non à l'UNESCO on peut faire beaucoup d'autres choses et en particulier on fait de la science. Et dans ce qui concerne les questions liées à l'eau il y a le, le programme hydrologique intergouvernemental qui existe depuis très longtemps et qui met en place donc un certain nombre d'actions. Et puis vous avez des chairs et vous avez des centres. Alors je ne vais pas dire que les chairs, c'est facile, mais en tout cas, pour monter une chaire UNESCO, la problématique est moins complexe. Si vous avez un bon sujet, si vous avez une équipe motivée, vous allez pouvoir, avec beaucoup de chances de succès, déposer votre dossier et faire labelliser votre chaire UNESCO. Et dans le domaine de l'eau, il y en a comme ça un certain nombre qui existent. C'est. Avec l'agriculture, c'est l'eau dans le domaine de la culture, c'est l'eau sous l'angle le, le, de la réglementation, etc. Donc, euh, mais en revanche, il n'y existe qu'un seul centre international UNESCO sur l'eau. Il y en a trois en France, des centres internationaux. Il y en a un qui existe depuis le milieu des années 70, qui fait des maths purs et appliquées, qui est à Nice, à l'université de Nice, sophia Antipolis. Et après la création de celui de Montpellier, il y en a un troisième qui a été créé, dans lequel Jean Jouzel, le grand climatologue, joue un rôle. Et ce, ce troisième centre français international pour l'UNESCO, lui, s'intéresse plutôt à tout ce qui est éducation aux, aux questions liées au climat et au changement climatique. Voilà. Et donc nous, nous travaillons dans le domaine de l'eau. Et donc nous travaillons dans le domaine de l'eau, mais le la construction du centre de Montpellier est une construction plutôt sur un modèle fédératif. Vous voyez ici euh, l'ensemble des laboratoires qui participent euh, au, au centre. Et donc euh, aujourd'hui, vous avez 17 laboratoires euh, qui euh, construisent, qui sont le centre, le centre UNESCO. Euh, le centre a finalement un rôle presque d lié, euh, l'idée étant de faire en sorte que... Euh, les laboratoires, les équipes dans les laboratoires trouvent une valeur ajoutée à travailler ensemble sur des sujets qui seraient peut-être moins faciles à aborder pour une équipe seule dans son laboratoire. Ça représente aujourd'hui à peu près 470 scientifiques sur Montpellier et au-delà, puisqu'on a aussi des collègues qui sont à Perpignan, à Narbonne, à Alès et à Nîmes, mais le plus grand nombre est évidemment sur Montpellier. Et puis, alors je ne sais pas si je vais avoir droit à, à passer. Le, la diapo suivante Non, donc je vais continuer comme ça. Euh, et puis donc, euh, derrière ces 17 laboratoires, euh, il y a 13 institutions qui soutiennent euh, l'action que nous avons euh, enclenchée. Et donc, il y a 13 universités, écoles d'ingénieurs et organismes nationaux de recherche euh, qui sont là et qui nous aident donc euh, à définir ensemble des politiques euh, avec des, des, des stratégies de, de convergence euh, pour ces 17 laboratoires et ces 13 institutions. Euh, donc, euh, euh, l'idée, c'était quand même de pouvoir vous présenter un certain nombre de choses visuellement, mais euh, je vais essayer d'écrire mes diapos, c'est un, un autre type d'exercice. Euh, donc, euh, le, ce sur quoi je tiens à vraiment à insister, et qui est assez unique finalement en France, c'est la capacité de la communauté scientifique, la communauté académique... Ah celui-là, on n'avait pas vu. Euh, la communauté académique montpelliéraine c'est sa plurie voilà j'y viens ça y est ça fonctionne euh, donc ça je vous en ai déjà parlé euh, juste un point quand même à noter c'est que nous avons aussi beaucoup de doctorants dans nos laboratoires soit ici à montpellier soit avec les partenaires avec lesquels nous travaillons dans les universités du nord comme du sud. Mais ce qui est ce qui est vraiment, je vais y arriver, hein, c'est Voilà. Ce qui est vraiment très important et, et, et caractéristique du site montpelliérain, c'est la plurie et l'interdisciplinarité. Et ça, véritablement, il y a d'autres endroits où des communautés se sont organisées dans le monde académique. Mais à Montpellier, nous avons cette capacité à mettre autour de la table, précisément, hein, autour de la table, je ne sais pas si elle, sera, elle serait ronde, rectangulaire ou, ou, ou losange. Mais en tout cas, ce qui est très important et très significatif de ce que nous faisons, c'est que nous avons effectivement des spécialistes dans quasiment tous les domaines scientifiques qui sont impactants en ce qui concerne les problématiques de l'eau. Et donc, depuis les sciences dures, les mathématiques, la physique, jusqu'aux sciences humaines et sociales, l'anthropologie, la sociologie, l'économie, les politiques publiques, en passant par la chimie, les sciences pharmaceutiques, etc., à Montpellier, nous avons cette capacité à traiter les questions liées à l'eau de manière complète. Et ça, je crois que c'est aujourd'hui la vraie force de cette communauté, avec un atout également, c'est que nous nous connaissons maintenant depuis longtemps et nous sommes capables de travailler tous ensemble. Et donc ça, c'est vraiment important parce que les questions liées à l'eau sont d'une rare complexité, finalement, et il convient de pouvoir les traiter avec l'ensemble de ses compétences si je reviens donc à cette question de, de l'eau dans un monde en, en transition, euh, quelques chiffres d'abord pour poser finalement quelques, quelques, quelques repères. la question de l'eau est une question qui est, qui est universelle. la question de l'eau, on, on, on est confronté à cette question Partout dans le monde, soit parce qu'on en manque, soit parce qu'on en a trop, soit parce qu'elle n'est pas de bonne qualité, soit parce qu'elle tombe pas quand on voudrait qu'elle tombe, etc. Voilà. Mais la question de l'eau est vraiment une question universelle. La difficulté, c'est que la mise en œuvre des solutions pour résoudre les problèmes liés à cette question de l'eau, cette mise en œuvre de solutions, elle est locale. Et ça, et j'entends parfois des discours qui euh, semblent oublier cette question. Ce point absolument incontournable qui est celle de la mise en œuvre locale des solutions. Vous savez, des gens qui estiment qu'ils ont des solutions universelles pour résoudre les problèmes de l'eau. C'est faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Y compris sur des sujets liés à l'eau qui sont très conflictuels, dont on a vu notamment au printemps dernier qu'ils pouvaient engendrer pas mal de violence. La réponse à ces questions n'est pas simple, contrairement à ce que voudraient nous faire croire un certain nombre de gens. Au delà de ça, donc, euh, il faut bien, se, bien comprendre que la ressource en eau à laquelle nous avons accès est une ressource qui est faible. La ressource en eau qui nous intéresse, c'est 3 du volume liquide sur cette planète et pour nous, ce qui n'est pas ce qui est directement accessible, c'est moins de 1 Voilà, donc euh, déjà, ça fixe un peu les enjeux. Après, nous sommes dans un monde qui évolue de manière considérable. La démographie euh, est telle que euh, on a passé il y a un an, je crois, le cap des 8 milliards d'individus sur la planète. À l'horizon 2050, il y aura 10 milliards de gens sur la planète, c'est-à-dire 25% de plus que maintenant. Des gens à qui il faudra donner de l'eau à consommer, il faudra les nourrir, il faudra les loger, il faudra les vêtir, etc. Donc on imagine le, le niveau du, du défi. Donc on a un vrai, un vrai défi, un vrai challenge de, de ce côté-là, compte tenu de tout ce que je viens de dire qui est. Euh, la question de l'eau qui est universelle, mais elle ne se pose jamais de la même manière, quel que soit l'endroit où on se trouve. Si je regarde un petit peu euh, parmi tous les enjeux qui peuvent exister, les enjeux sanitaires, environnementaux, euh, sociétaux, géopolitiques, euh, etc., si j'en mets en avant euh, juste euh, quelques-uns, notamment sur le plan de, de la santé, l'eau est un vecteur de vie indispensable. Vous savez qu'au-delà de trois jours sans boire, on met sa vie en danger. Mais c'est aussi parfois un vecteur de mort. Vous avez notamment 500 000 enfants qui, chaque année, meurent de diarrhée parce qu'ils ont ingéré une eau de mauvaise qualité. 500 000 enfants chaque année. Et donc, cette problématique de l'eau vecteur de maladie, de manière directe ou indirecte, je vous rappelle que, par exemple, le paludisme est de manière indirecte liée à l'eau, puisque les larves du moustique qui transmet le paludisme se développent dans les cours d'eau. Donc cette question de la place de l'eau en ce qui concerne les problématiques de santé est absolument essentielle. Sur le plan sociétal aussi, par exemple, vous avez ici un certain nombre de chiffres, j'en soulignerai simplement un, parce qu'il il est assez, assez percutant. Lorsque l'eau n'est pas disponible véritablement, dans 80% des cas, et ça c'est souvent le cas dans les pays du Sud, dans 80% des cas, ce sont les femmes et les filles qui sont chargées de la corvée d'eau. Et ça se traduit chaque jour, et les Nations Unies ont fait ce, ce décompte, ça se traduit chaque jour par 200 millions d'heures qui sont perdues pour la scolarité des filles. Donc vous avez chaque jour 200 millions d'heures perdues pour les filles, mais qui ne sont pas perdues pour les garçons les garçons vont à l'école puisqu'ils ne vont pas chercher l'eau. Et donc, vous avez un facteur de discrimination supplémentaire, et je, il faut bien le dire, souvent dans des pays dans lesquels il n'y a pas besoin de facteurs de discrimination supplémentaires en ce qui concerne la place des femmes dans les sociétés. Donc, euh, c'est vraiment un, un, quelque chose qui nous touche, qui est transversal et qui est extrêmement important. C'était suffisamment important, finalement, pour que les Nations Unies... Consacre un des objectifs du développement durable de manière spécifique à la question de l'eau, c'est l'ODD 6. Et euh, c'était aussi suffisamment important pour qu'enfin se tienne à New York, au mois de mars cette année, la conférence des Nations Unies sur l'eau. La précédente la précédente conférence des Nations Unies sur l'eau avait eu lieu en 1977. Voilà, donc euh, on se dit quand même qu'il est temps que la gouvernance mondiale. Une forme de gouvernance mondiale s'organise autour de la question de l'eau. Alors, apparemment, ça a été salutaire, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y aura une autre conférence thématique sur l'eau en 2026 et une autre en 2028. Le rythme s'accélère, donc ne désespérons pas. Si je reviens un petit peu à des considérations plus, plus locales ou plus nationales, en tout cas, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Puisque, quand même, la, la grande question de l'eau, on, on voit depuis deux ans en particulier maintenant que on a de vrais problèmes d'eau de vrais problèmes d'alimentation en eau de vrais problèmes liés à la consommation de la ressource dans un pays qui jusqu'à présent ignorait totalement ce sujet. donc vous voyez ça c'est la carte produite par le brgm. alors je n'ai pas la carte du 1er décembre j'imagine qu'elle sortira bientôt mais au 1er novembre on avait encore une large partie du territoire national qui voyait les nappes phréatiques sur lesquelles à partir desquelles nous nous alimentons et à partir desquelles beaucoup de nos activités euh, se, se développent, bon nombre d'entre elles, plus des deux tiers sont à un niveau qui est inférieur euh, au niveau euh, espéré. Et puis finalement on n'en parle plus beaucoup parce que dans la grande majorité des régions il n'y a plus d'arrêtés préfectoraux qui vous disent vous êtes en vigilance ou vous êtes en crise mais il y a encore des régions dans lesquelles c'est le cas et vous voyez que en particulier bah, l'arc méditerranéen, l'ancien Languedoc Roussillon, et sans doute la région qui a à faire face aux plus grandes difficultés, parce qu'il y a encore des régions qui sont considérées comme étant en crise du point de vue de ces arrêtés. Alors, on a mis en place, le gouvernement a mis en place un plan national haut qui a été annoncé le 30 mars dernier et qui s'appuie sur un certain nombre d'éléments pour donner des grands axes d'orientation de ce que doit être finalement notre adaptation à cette situation dans, dans les années à venir. Vous avez ici par exemple quelques chiffres, je ne vais pas les, tous les commenter, mais surtout il y, a deux choses qui, il y a une chose qui me semble importante, c'est la distinction à faire entre les prélèvements et la consommation. Et vous verrez, si vous regardez ces chiffres, que notamment, ça inverse un certain nombre de choses. Vous verrez qu'en particulier, ce qui est le premier facteur de prélèvement de la ressource en eau, c'est le refroidissement des centrales nucléaires. Mais toute l'eau qui est prélevée n'est pas nécessairement consommée, elle est restituée. A l'inverse, vous voyez qu'en matière de consommation, euh, le monde agricole, euh, et je ne stigmatise en rien le monde agricole, je vous rappelle que si nous sommes en mesure de nous nourrir, c'est bien parce qu'il y a des agriculteurs. Et que pour faire de l'agriculture ou de l'élevage, on a besoin d'eau. Euh, mais l'agriculture n'est pas le premier préleveur de la ressource en eau. En revanche, c'en est le premier consommateur. Donc, ces différences-là sont des différences importantes si on veut bien comprendre un certain nombre de choses. Si on regarde un petit peu également ce qui se passe en ce qui concerne l'état de, de, de nos cours d'eau, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait, pas tout à fait à la moitié des eaux de surface en bon état écologique, on a encore de belles marges de progression, de belles marges de, de travail. Donc ça, ce sont des points qui sont des points importants. Le plan s'est organisé autour de trois grands axes. Un premier axe qui vise à organiser la sobriété. Vous savez que sobriété est un terme qui est très à la mode aujourd'hui. Il faut être dans la sobriété ce qui est assez légitime d'ailleurs, hein, tant pour les ressources naturelles que pour l'énergie par exemple, mais c'est valable aussi pour l'eau. Et puis, il faut essayer d'optimiser la disponibilité de la ressource, hein, a fortiori si dans certaines régions elle a tendance à se raréfier. Il faut donc qu'on travaille considérablement sur les techniques de réalimentation, puis les techniques de gestion euh, et les modalités de gestion de cette ressource. Et enfin, il faut évidemment travailler sur toutes les questions liées à la préservation de la qualité de l'eau. Et donc, pour terminer, je voudrais juste vous donner quelques éléments qui, me semble-t-il, sont susceptibles finalement de guider la réflexion qu'on doit avoir. D'abord, les problèmes à haut niveau de complexité ont rarement des solutions simples. Et véritablement, les questions liées à l'eau sont des questions à haut niveau de complexité, tant, je dirais finalement, dans les questions d'usage, usage domestique, usage agricole, dans ce qui relève aussi de tout ce qui est d'usage industriel mais aussi pour tout ce qui relève finalement de la protection, protection des citoyens, protection contre les dégâts des inondations. Donc il y a véritablement un besoin de prendre en considération cette complexité pour être en mesure d'apporter des solutions qui soient des solutions adaptées. Et puis il me semble qu'il y a quatre grandes directions dans lesquelles, je dirais au moins quatre grandes directions, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, mais... Tout d'abord, la question d'un changement de culture par rapport à l'eau. L'eau, finalement, est depuis très longtemps, dans nos sociétés, en particulier dans les sociétés développées comme les nôtres, l'eau est, est totalement invisibilisée. Personne ne se posait jusqu'à encore deux ou trois ans la question de la disponibilité de l'eau. Or, ces dernières années, dans certaines communes, il y a eu des ruptures d'alimentation. Donc, cette question de l'invisibilité de l'eau et du changement qu'on doit opérer par rapport à ça, est une question qui est extrêmement importante. Il faut qu'on soit efficace, compte tenu notamment de cette raréfaction, il faut qu'on soit efficace dans l'utilisation de chacune de nos gouttes d'eau. Et ça, finalement, ça va nous conduire à la sobriété. Mais ça, nous, nous, ça ne nous conduira pas à une sobriété sans discernement. Les efforts que nous avons à faire et les besoins qui, qui, qui existent ne sont pas les mêmes selon les différents types d'activités et les différents besoins qui s'expriment quotidiennement. Il est absolument indispensable de promouvoir et de rechercher tout ce qui relève finalement euh, de, des besoins de, de dialogue autour des enjeux qui se posent sur les, la ressource en eau. Ces enjeux sont tous compétitifs, tous concurrentiels. Et donc dans, une, dans un contexte qui va se devenir de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, cette discussion, ce besoin d'écoute les uns avec les autres est absolument indispensable. Il faut impérativement aller vers des compromis. Alors, la notion de compromis n'est pas toujours une notion qui est, je dirais, très courante dans, dans notre société en France. Et pourtant là, si on veut éviter des tensions et des conflits, il va absolument falloir apprendre à nouer des contacts et à construire des compromis. Et puis enfin, et je m'arrêterai là-dessus, on est au sein d'une université, on est dans une manifestation académique, souvent aujourd'hui, et je suis sidéré par ce que j'entends parfois dans ce pays qui a quand même vu de, de grands savants, euh, en ce qui concerne la science et la perte de confiance qu'il peut y avoir autour de la science, ou bien le fait de dire mais la science va contribuer. Et instantanément, vous vous trouvez affublé d'être un techno-solutionniste. Je trouve ça absolument invraisemblable. Mais qui peut imaginer un instant que nous n'arriverons pas à résoudre les problèmes sans la science Et je crois, pour paraphraser Alain Aspect, qui est quand même quelqu'un qui fait référence, prix Nobel de physique, Alain Aspect disait Nous ne sauverons pas la planète contre la science, mais avec la science. Et je crois qu'on peut dire également que nous ne sauverons pas l'eau contre la science, mais bien avec la science. Je vous remercie et je laisse la parole à Olivier Biscay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci euh, Eric Serva, pour, euh, pour ces premiers éléments qui évidemment introduisent cette, cette table ronde. Je vais accueillir nos, euh, nos invités, Régis Saint-Gouff qui va venir me rejoindre à mes côtés, euh, sous vos applaudissements évidemment. Noé de Bonaventure. Eric Servat qui s'installera à côté euh, de euh, Noé, Jean-François Blanchet, Hélène Féné, Patricia Lisnard et Julien Baroni. Je vous en prie, installez-vous. Hélène, Patricia et Julien Baroni, je vous en prie. Normalement, il y a de la place. Euh Très très bien, parfait. Merci beaucoup. Alors, euh, on va maintenant euh, à présent euh, entamer cette conférence, l'eau dans un monde en, en, en transition. Vous l'avez euh, à peu près saisi, on pourrait rester euh, toute la nuit finalement hein, pour évoquer le, le sujet, euh, tant il est large. Euh, et on va, on va simplement avoir une heure euh, finalement pour évoquer un sujet qui est euh, d'actualité. On va essayer de jouer la carte à la fois de la pédagogie, jouer la carte de la solution, euh, après les constats qui ont été évidemment euh, posés par... Eric Serva en, en, en introduction. Et, et je voudrais qu'on commence avec vous, euh, euh, Régis saint responsable du service eau. Milieu aquatique et risques euh, à la direction de la transition écologique et énergétique de la région Occitanie. Euh, on s'était dit qu'on pouvait euh, s'arrêter aux responsables du service eau, mais on voit bien quand même que vos missions englobent un certain nombre de, de thématiques euh, importantes pour, pour la région. Et je voudrais qu'on démarre par ça, parce que Eric Serval a dit tout à l'heure, il y a évidemment euh, la planète, mais les solutions sont probablement locales, régionales, tout près de chez nous. Et je voudrais que vous nous évoquiez les enjeux. Vous, au sein de votre service et la région Occitanie, euh, autour de l'eau euh, et dans, dans l'ensemble, dans sa globalité des, euh, des thématiques. Régis alors, je, On va imaginer que tout fonctionne euh, et je n'imagine pas autre chose. Voilà. C'est bon Oui, très bien. Euh, donc, effectivement, alors pour poursuivre le, le propos d'Éric hein, sur les, les enjeux. Euh, plus spécifique au, au territoire régional. Euh, bon, je pense que les, les étés 2022 et 2023 ont été particulièrement parlants et marquants par rapport à, à cette problématique de, de raréfaction de la ressource, euh, donc avec des conséquences qui sont importantes à la fois pour les milieux aquatiques, euh, mais aussi pour pour les usages économiques, pour tous les usages de l'eau que l'on peut trouver sur notre région que ça soit l'eau potable, l'irrigation qui sont les deux gros consommateurs on va dire, en eau on a à peu près 600 millions de mètres cubes d'eau chaque année qui vont vers l'irrigation et à peu près autant vers l'eau potable donc tous ces, tous ces usages là ont été impactés cet été, ces étés et puis je pense que d'ailleurs c'est important aussi de dire que la sécheresse perdure elle perdure au moins sur les territoires du, du littoral puisqu'on a à ce jour moins de 250 mm enregistrés sur les stations de Montpellier ou de Perpignan pour l'année 2023, alors qu'on est habituellement à plus du double. Donc les enjeux, si on revient sur des aspects économiques et finalement d'aménagement du territoire, renvoient aussi vers la responsabilité ou vers les compétences de la région mmh. sur ces deux sujets. Et globalement, pour vous donner peut-être un chiffre, on considère qu'à l'échelle de la région, on a un déficit en eau annuel en année moyenne qui est environ de 200 millions de mètres cubes entre les besoins en eau et les ressources disponibles. Donc inéluctablement, ça veut dire qu'en année moyenne, on a des problématiques de pénurie d'eau et qui conduisent à des arrêtés sécheresses. Et sur des années comme 2023, on peut considérer qu'on est à deux ou trois fois ce déficit. Et donc là, c'est la partie, si je puis dire, quantitative. On parlera évidemment du qualitatif avec vous, les scientifiques, avec vous, ceux qui traitent évidemment de ces sujets. Cette question quantitative, comment est-elle appréhendée par la collectivité régionale Eric Servan nous rappelait un plan gouvernemental de mars 2023 avec un certain nombre de mesures. Est-ce que vous avez réussi à le décliner pour poser les bases de ce débat que nous engageons alors, on a aussi en parallèle, en quelque sorte, de, du plan haut national, travaillé sur un plan haut régional. Pour bon, ce qui est rassurant, c'est que les, les, les réflexions se recroisent complètement. Donc, on va au travers de ce plan haut régional contribuer à la mise en œuvre du plan haut national. Et effectivement, on a décliné un certain nombre de, de mesures d'action, 41 précisément, selon trois axes. Un premier axe qui est la sensibilisation de tous les citoyens euh, aux problématiques de, de raréfaction de la ressource, parce qu'on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas forcément bien connu. Euh, donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est celui de l'optimisation. Alors, je vais reprendre des termes qu'Éric a déjà cités, hein, avec autour de ça la sobriété pour tous les usages de l'eau, mais aussi l'innovation. On pense en particulier à tout ce qui est eau non conventionnelle, à d'eau usée traitée, par exemple, et puis le troisième sujet, c'est celui de la sécurisation de l'approvisionnement. Et là, je pense que Jean-François en parlera tout à l'heure, puisque la région Occitanie a la spécificité d'être propriétaire d'ouvrages hydrauliques. Il n'y a que deux régions en France, avec nos collègues de Sud-PACA, à être propriétaire d'ouvrages hydrauliques, ce qui montre donc toute l'implication de la région et de façon historique sur ce sujet de l'eau pour qu'on comprenne bien parce qu'on a évidemment saisi les deux grandes thématiques hein, autour euh, finalement de la prise de conscience la pédagogie euh, les questions de sobriété on parlera évidemment avec jean françois blanchet de tous ces sujets euh, d'aménagement mais euh, concrètement est ce qu'il y a une ou deux mesures que vous pourriez partager avec nous euh, qui permettraient de comprendre aussi comment le sujet de l'eau euh, qui est en transition est, est réellement posé avec des solutions concrètes alors on peut, on peut, parmi les exemples hein, qui figurent dans, dans le plan régional qui a été voté en juin 2023, euh, citer euh, la volonté de, de travailler sur l'exemplarité au niveau des lycées régionaux. Euh, on a plus de, de 230 lycées publics en région qui consomment environ 1 ,2 million 2 de mètres cubes chaque année. Mmh. Et donc l'objectif, c'est de réduire d'ici 2030 ces consommations de 20%. Donc ça, c'est une première mesure. On va aussi, on a lancé un appel à projet sur les eaux non conventionnelles en 2022, qui a lancé une certaine dynamique sur ce sujet-là. Et on veut amplifier. Alors, on est aussi sur de l'accompagnement financier. Hein, donc, euh, au-delà d'être maître d'ouvrage sur certaines opérations, mais on a ce rôle d'accompagnateur financier, de soutien financier, au même titre que les agences de l'eau, par exemple. Donc, on, on va sur l'accompagnement des collectivités pour travailler sur le réusage de chaque goutte d'eau. Je vais reprendre aussi les termes d'Éric. On est maintenant dans un contexte qui nécessite de re-réfléchir notre consommation en eau et notre usage de l'eau. On reviendra évidemment sur ces sujets avec vous, mais Noé de bonne Bonaventure, donc, je le disais, directeur du, du territoire ERO Veolia eau, évidemment un acteur majeur dans, dans le sujet que, qui, que nous abordons ce soir. Comment euh, vous appréhendez euh, cette nécessité euh, de euh, traiter l'eau euh, plutôt, euh, non pas comme une marchandise, mais comme une ressource euh, vitale dans le prolongement aussi euh, du, euh, du plan euh, qui est porté par les collectivités et notamment régionales Alors, il euh, y a plusieurs questions dans la question. Bon, bonjour <laughs> à tous déjà euh, et merci de, de l'accueil et merci Eric de l'invitation. Et pour la brillante conférence où tu as résumé énormément de choses qu'on aurait pu dire, donc voilà, ça, ça nous invite à nous réinventer. Euh, je dirais que le, le donc euh, peut-être autour de, de la question économique, puisque c'est celle que que tu poses, Olivier. Euh, Aujourd'hui, nous, on a la nécessité de de trouver un modèle économique qui fonctionne, puisque ben, on a une entreprise privée qui investit des des, des capitaux. Euh, ça veut dire, euh, dans un modèle où aujourd'hui euh, on est payé au volume, trouver une manière de baisser les volumes sans que le modèle euh, se casse la figure. Euh, voilà un peu le, le principal problème qu'on peut connaître euh, parmi les exploitants. Et quand je dis exploitant, c'est au sens large d'ailleurs, parce que euh, lorsque l'exploitant est public, il euh, ben y a les mêmes questions de modèle. Euh, donc parmi les évolutions qu'on peut, qu peut mettre en place, pour ben, poser cette question quelque part de, certes l'eau n'est pas une marchandise mais le service a un coût et ce coût de comment est-ce qu'on le, on le, le prend en question il ben, y a la question de la tarification euh, où en fait on peut faire d'une pierre deux coups et même d'une pierre trois coups et donc je vais vous parler de euh, la tarification éco-solidaire et climatique qui va être mise en place de manière pionnière dans un syndicat d'eau qui est euh, pas très loin d'ici qui s'appelle le syndicat mix de Garrigue-Campagne euh, c'est une tarification où plus euh, l'eau, plus on consomme, plus on paye, et moins on consomme, moins on paye. Donc ça nécessite au niveau de la facturation, à large échelle, puisqu'on parle de 30 000 abonnés, ben, faire un certain nombre d'évolutions dans nos systèmes informatiques qui sont euh, parfois, euh, ben voilà, qui ont un certain héritage. Euh, et euh, la deuxième chose que ça nécessite, enfin la deuxième effet, c'est plus, euh, plus on est en été, donc plus la ressource est rare. Plus l'eau est chère et plus on est en hiver et la ressource est, 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 moins, est moins rare, moins l'eau est chère. C'est tout bête, je le dis vraiment avec des mots simples, mais sauf que c'est avec des petites choses comme ça qu'on peut faire qu'un modèle change, parce que du coup, ben, on va euh, sensibiliser les gens euh, à consommer moins, et on pourra avoir une, une logique euh, ben, euh, de modèle qui, qui évolue comme ça. On pourra également euh, atteindre les objectifs d'inciter à la sobriété. Alors bien sûr, tout ça, ça s'accompagne, hein, puisqu'il faut expliquer aux gens euh, ben, comment est-ce que, est que ça se passe. Euh, on pourra aussi, ben, euh, grâce, à, grâce à ces modèles-là, ben, toujours avoir les moyens d'investir, parce que mine de rien, aujourd'hui, l'équation euh, économique est complexe au niveau des réseaux d'eau. On n'investit pas assez. On investit, euh, on va dire, 0,67 de mémoire, le, le dernier chiffre que j'avais en tête dans les réseaux d'eau, euh, de la valeur. donc euh, de la valeur globale des réseaux d'eau, on investit 0,67. Ça veut dire qu'on considère globalement qu'un réseau, un tuyau est étanche pendant 150 ans, alors que la réalité, c'est que c'est plutôt autour de 70 ans. Et donc, du coup, il y a un moment où il va falloir qu'en France, on réinvestisse dans ces réseaux pour économiser l'eau qu'on perd, puisqu'aujourd'hui, et ça vous l'avez tous entendu, un litre sur cinq qui est produit n'arrive pas au robinet du consommateur final. Voilà un peu pour resituer la question du modèle. Du modèle et là je vous parle en tant qu'exploitant euh, localement puisqu'on on, bah, on s'occupe de ce fameux syndicat et puis d'autres euh, contrats autour. Voilà. On en parlera évidemment, mais garder le micro, ça permet aussi d'illustrer, en ayant commencé avec euh, Régis, euh, la nécessité euh, de complémentarité entre les différents acteurs euh, de l'eau. Hein, on va le voir avec euh, chacun euh, d'entre vous, et c'est le cas évidemment quand on s'appelle Veolia, quand on est un acteur euh, majeur du, du territoire et qu'on est une collectivité régionale. Euh, euh, voilà, on est tous. Euh, sans mauvais jeu de mots dans le même bain, mais c'est quand même une réalité quoi. Oui, en fait j'ai voulu répondre vraiment à la question précisément du modèle. C'est vrai que si on ouvre un petit peu plus largement le sujet, le sujet de la collaboration et notamment face à vous avec le sujet de la collaboration avec le monde universitaire et celui de la recherche, localement on a deux exemples. On a celui d'une thèse cifre qui est montée avec l'université de Montpellier. Euh, sur euh, une, une, une jeune femme qui fait sa thèse euh, sur les, les réseaux, enfin euh, sur l'épidémiologie dans les réseaux d'eau usée. Donc nous, on est gestionnaire pour la Régie des Eaux de Montpellier du réseau d'assainissement de, de la Métropole. On va y revenir. L'idée, c'est voilà le, de, de s'occuper de, de surveiller euh, l'épidémiologie euh, à partir des indicateurs qu'on a. Bah, vous savez, hein, c'est un, un, un projet, c'est un, un thème de recherche. Bien connu, mais on essaye de le faire en collaboration avec le monde de la recherche. Et par exemple, aussi sur ces questions d'économie de, euh, de la ressource et d'impact euh, qu'on peut avoir potentiellement sur les consommateurs avec des messages, on essaye de partager nos données de métrologie, parce que qu'aujourd'hui, c'est les gestionnaires de l'eau qui, qui ont les compteurs. Et lorsqu'on a la télé en place, on a un dataset qui est très intéressant pour étudier l'impact des actions qu'on met en place, à voir faire du A-B testing. J'ai à la moitié des consommateurs, j'envoie un message. Au deuxième panel, j'envoie un autre message, je mesure, etc. Et ça, on ne sait pas le faire sans les chercheurs, sans la recherche, sans les data scientists et sans les exploitants qui vont contrôler que ben, le, le, les compteurs et les télé-relevés télé marchent, marchent bien. Donc, euh, ben, à l'échelle locale, déjà, et puis je pense à l'échelle plus globale, même si euh, moi j'ai vraiment les yeux tournés sur le territoire, euh, on essaie de collaborer un maximum avec euh, les acteurs de l'écosystème. Et puis je vois des visages connus avec lesquels on a eu l'occasion de collaborer. Donc, euh, voilà. Jean-François Blanchet, directeur général de, 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 de BRL. Je voudrais que vous puissiez nous dire comment vous, vous appréhendez ce, ce sujet. Là encore, dans le prolongement de ce que disaient Régis et Noé, je crois que vous défendez un triple A dans, 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 dans ce prolongement. Vous pouvez peut-être nous en parler, dans cette approvisionnement de l'eau, cette gestion de l'eau et cette consommation de l'eau. Effectivement, on va venir au triple A. Je pense que tout le, tout le thème de la conférence qui est repris ici, l'eau en transition, nous renvoie en fait d'abord et avant toute chose à nous-mêmes. Mm -hmm. Quand je dis à nous-mêmes, c'est est-ce qu'on a envie de changer ou est-ce qu'on n'a pas envie de changer Est-ce qu'on a envie qu'il y ait des transformations ou est-ce qu'on n'a pas envie qu'il y ait des transformations Pour qui vont-nous nous faire des transformations Pour nous-mêmes, notre modèle économique, pour la société, pour le territoire, pour les générations futures Donc tout cet enjeu-là est bien plus vaste que simplement, certes, ce que la science amène, mais nous convoque aussi devant ce que nous voulons en faire et comment le faire. Ce que nous voulons en faire, ça renvoie aux politiques. Régis l'a évoqué avec le plan régional haut, le plan national haut, mais aussi ça nous convoque devant nous-mêmes en tant que responsables d'organisation sur la façon dont nous abordons cette transition et dont nous allons devoir, nous aussi, être les changements que nous voulons dans le monde par rapport à ce que Gandhi avait déjà dit bien largement avant nous. Pourquoi Alors, je vais l'appliquer au niveau de l'organisation sur laquelle nous agissons. Au niveau de BRL au départ, BRL, société d'aménagement régional, a été bâtie de suite après la guerre dans une logique où la France voulait revenir dans le concert des grandes nations après avoir eu faim. Voilà. Donc l'idée, c'était sur des territoires où l'eau était rare, comme c'est le cas sur notre territoire du Languedoc, mobiliser un opérateur d'aménagement régional pour réaliser des grands aménagements et à partir de là apporter de l'eau pour l'agriculture, lui permettre d'exporter, amener de l'eau pour le tourisme ensuite avec les missions racines, amener de l'eau pour le développement urbain avec l'attractivité. Donc en clair, une approche très fonctionnelle. On pourrait se dire, bon, on va continuer sommes toute à faire ça puisqu'il y a besoin encore de tourisme, il y a besoin d'agriculture. Ou alors, on raisonne différemment, c'est-à-dire de ce qui était à la base une mission au service d'une croissance, mmh. aujourd'hui... On est sur un paradigme qui est nouveau. Le paradigme c'est quoi C'est l'adaptation au changement climatique. C'est comment sécuriser l'accès à l'eau au niveau des territoires. Et là on n'est plus dans la même logique que celle qui était silotée auparavant, c'est-à-dire maximiser l'agriculture, maximiser l'approche touristique, avoir des approches poussées le plus possible et finalement se dire que l'eau, ben, l'eau c'est une res communiste. Donc, c'est l'affaire de tout le monde, mais finalement, c'est la propriété de personne. Et on sait très bien que quand c'est la propriété de personne, on ne s'en occupe pas. Il n'y a pas d'attention. Et là, ce que nous renvoie le changement climatique, c'est que c'est peut-être la propriété de personne, mais dès lors qu'elle devient plus rare, ça devient l'enjeu de tout le monde. Et là où on considérait, quand elle est abondante, qu'elle n'a pas de valeur, dès lors qu'elle devient rare, elle prend une valeur qui est à proportion de ce que nous devons subir lorsqu'elle n'est pas là. Donc très schématiquement, si on devait le dire autrement, lorsqu'il y a de l'eau, on évite des dégâts. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, on a des dégâts. Et c'est en faisant cette mesure économique qu'on peut voir ce que l'on peut consacrer pour sécuriser l'accès à l'eau. Alors pourquoi j'ai fait ce développement Parce qu'à partir de ce que nous avons vu, de ce qu'a brillamment présenté Eric, on doit réfléchir sur comment, effectivement, autour d'un triple A, apporter une vision sur le territoire. En clair, les questions qui se devant nous, mais qui sont déjà vraies partout dans le monde, c'est comment souhaitons-nous vivre en 2050 avec une pression climatique qui, est, qui va accélérer, qui va avoir un double effet, la raréfaction des ressources disponibles et par ailleurs des besoins en eau qui vont être plus élevés, puisqu'on sait qu'en même temps que le TP, l'évapotranspiration va augmenter, les besoins en eau, notamment des cultures, auront tendance à augmenter. Donc une équation qui n'est pas bien très bien sympathique. Et, et qui comment vous l'appréhendez chez la Donc là, le premier A, c'est le A de l'anticipation. N'attendons pas 2050, regardons sur cette vision d'aménagement territorial global, comment à partir d'études prospectives, pouvoir, avec des concertations d'acteurs, définir quelles sont les priorités sur le territoire nous, ce n'est pas nous qui définissons les priorités. Heureusement, nous ne sommes jamais qu'un opérateur au service du territoire. Et donc ce A, c'est des jeux de concertation. La région Occitanie a mis en place justement des démarches prospectives, des démarches d'écoute auprès des parties prenantes. Et là aussi, c'est une manière de pouvoir agir. Le deuxième A, c'est de celui de l'agilité. Pourquoi l'agilité Parce que, Eric l'a très bien rappelé, On, comment dire, les sujets jusqu'à présent étaient encore une fois très silotés. Mmh. Aujourd'hui, il nous faut davantage d'innovation collective, pouvoir se rapprocher des organismes de recherche, pouvoir travailler ensemble. On participe à différentes chaires. je pense notamment aux Agriculture Changement Climatique, qui nous challenge beaucoup justement sur notre façon de voir la chaire sur l'analyse du cycle de vie aussi, avec l'INRAE. Même s'ils si ne souhaite pas partir sur une troisième saison, ce qui est un petit peu dommage parce qu'on a quand même pas mal investi avec eux, donc ça nous interpelle aussi sur la continuité de l'approche académique vis-à-vis -vis du monde de l'entreprise. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre soirée. Et puis le et puis le troisième a ah, et c'est pas et c'est pas le dernier en tout cas d'importance, c'est le a de l'acceptation, c'est-à-dire encore bien même avons-nous une vision qui nous apparaîtrait comme la, comment dire, la meilleure entre guillemets sur un plan technique pour pouvoir réaliser un aménagement, encore faut-il que cet aménagement puisse être accepté, si je puis dire, désiré par le territoire et c'est là où les approches de concertation de débat public hein, comme la région l'a fait avec le projet Aquadomicia que, que nous avons réalisé en une dizaine d'années ont permis là aussi de progresser parce qu'il n'y a pas de bon projet qui n'est pas accepté on le voit avec les méga-bassines hein, même si le terme méga est exagéré mais ça renvoie aussi, dans le sujet de l'eau, à tout un imaginaire de comment pouvoir l'appréhender. Voilà, je m'arrête là. Parce que... Mais vous allez revenir, évidemment. Régis, peut-être, je voudrais que vous réagissiez à ce que disait Jean-François Blanchet avant de passer la parole à, à, à Julien, si vous voulez bien prendre un micro. Des trois A qui ont été cités, anticipation, agilité. Acceptation évoquée par Jean-François. Quel est celui sur lequel vous êtes euh, en région Occitanie le plus engagé On ne me dit pas les trois parce que c'est pas la, que, la réponse que la que j'attends. Mais en tout cas, quel est celui pour lequel vous fondez le plus d'espoir euh... J'aurais bien envie de répondre les trois quand même, mais bon. Donc, <laughs> mais euh... vous avez le droit, je vous laisse. je vais jouer le jeu. Je pense que l'anticipation, de façon ouais. évidente, oui, parce que. Euh... Jean-François évoqué le projet Aqua Domitia qui est en train de se finaliser. ou qui Précisez peut-être quel est ce projet pour tout, pour tout le monde. Alors, le projet Aqua Domitia, c'est donc un projet qui fait le prolongement des, des ouvrages historiques réalisés après-guerre par, par BRL, donc avec le canal Philippe Lamour en particulier qui est arrivé au port de Montpellier. Et le projet Aqua Domitia consiste. Euh, un linéaire de canalisation enterrée, donc on a 140 km de canalisation à peu près, euh, qui font la jonction entre la ressource Rhône et la ressource Orbe. Donc c'est un projet euh, qui est quand même euh, d'importance, enfin même d'envergure euh, très importante, y compris à l'échelle européenne. Hein, pour mm -hmm. avoir eu l'occasion de présenter ce projet-là dans d'autres cercles, on n'a pas forcément d'équivalent sur, sur d'autres territoires. Donc, pour revenir sur le A de l'anticipation, c'est un projet qui a commencé à être réfléchi il y a à peu près une quinzaine d'années, à l'époque de Georges donc président de la région de languedoc roussillon et qui a donné lieu à un débat public. Donc, c'est là qu'on vient aussi sur l'autre A, je triche un peu, de l'acceptation. Mais ce sont des projets qui prennent du temps. Ce sont des projets qui prennent du temps. Euh, je voudrais qu'on passe la parole à, à Julien Baroni, cofondateur de l'entreprise DV2E. Hein, si je me trompe pas, de E d'ailleurs, on ça, devrait dire ça. même. Euh, D'abord, parlons de votre entreprise, avant que je, je puisse évoquer avec, avec vous non pas les trois A, mais un I d'innovation, parce que ça va être aussi un des sujets euh, sur la question de l'eau. Okay, bon, bonsoir à tous. Donc, je, je suis Julien Baroni. J'ai cofondé le bureau d'études DV2E. On est spécialiste du recyclage de l'eau et euh, du recyclage des déchets, mais là, on va parler. Euh, on va parler de l'eau. Donc recyclage de l'eau, déjà juste pour contextualiser toute cette partie-là, le recyclage de l'eau, qui n'est pour l'instant quasiment pas fait en France, n'est pas la solution toute seule. Voilà. C'est pour rebondir sur tout ce qui a été dit. C'est juste un maillon en fait de, de l'économie d'eau. Alors, la partie économie-sobriété est nécessaire et obligatoire. Et là, c'est ce qui va permettre de passer de 1 litre consommé à 0,8 litre. Consommer, avec une économie de 20% sur les bâtiments, sur les lycées de la région. Et nous, on intervient après en se disant sur ces 0,8 litres, est-ce qu'on peut recycler une partie, notamment par exemple la moitié, 0,4 litres Donc au final, l'idée, c'est de prélever seulement 0,4 litres au milieu naturel, sur la ressource naturelle en eau douce, et au final pouvoir utiliser 0,8 litres. Et voilà, on est vraiment sur ce créneau là l'idée aussi c'est d'accompagner en fait tous les projets et notamment de, de développer une gouvernance et de co-construire surtout euh, ces projets de gestion de l'eau où on se retrouve dans les mêmes thématiques et qui ont été, euh, été abordés avec euh, toutes les parties prenantes ont euh, une vision de la gestion de l'eau euh, une gouvernance doit être adaptée à la gestion de l'eau et dans cette gouvernance globale de la gestion de l'eau, on crée une nouvelle ressource qui est l'eau recyclée. Alors, on va on va rester si vous voulez un petit moment sur sur le sujet, on le fera aussi avec Noé de Bonaventure et Éric Serva avant de parler euh, évidemment qualité de l'eau mais euh, on voit bien on a, on a évoqué la question de l'approvisionnement de, de la consommation de la raréfaction et donc on se pose euh, des questions sur des solutions. Vous évoquez euh, le recyclage, le traitement des eaux euh, usées, pluviales, euh, on en est où sur ces sujets-là vous avez donné des chiffres techniques que j'ai bien compris mais où est-ce qu'on en est des projets est-ce qu'on en est des solutions est-ce que l'Occitanie est en pointe qu'est-ce que vous pouvez nous en dire alors sur où est-ce qu'on en est alors déjà sur le recyclage de l'eau c'est des solutions qui sont drivées par le législateur et par la réglementation donc la première réglementation 2010 une mise à jour 2014 2016 et depuis trois ans, on est à trois réglementations et trois textes sont en consultation du public. Donc sur les trois, quatre dernières années, le, le législateur a vraiment évolué sur la gestion de l'eau. Donc c'est lui qui a fixé les règles du jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle On peut réutiliser les eaux de stations d'épuration pour faire de l'irrigation agricole, pour faire de l'irrigation d'espaces verts, pour tout ce qui est usage urbain. Et en fait, on rentre dans une démarche où on n'est plus sur la qualité de tout eau. Potables. Alors c'était déjà vrai sur notre territoire avec une alternative qui était l'eau brute euh, délivrée par BRL, mais il faut sortir de ce paradigme pour pouvoir avancer en se disant on n'est pas obligé d'utiliser de l'eau potable pour tous les usages. On peut développer des solutions alternatives avec de l'eau de qualité adéquate à l'usage et où on en est en France, on est à moins de 1% d'eau recyclée euh, qui sort de nos stations d'épuration. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est très, très peu. Très peu. Et par très rapport peu. à d'autres pays, je ne sais pas européens par exemple, est-ce que si vous avez des éléments chiffrés comparatifs ouais, sur, les, sur les derniers chiffres connus, l'Italie c'est 8%, l'Espagne on est autour de 15%, et puis on, on descend dans le sud, Israël on est autour de 80%. Euh, des eaux euh, recyclées. Donc, là, quand, eaux quand on parle d'acceptation tout à l'heure sur ce triple A et ce troisième A, il euh, y a une acceptation dans certains pays euh, de l'évolution, de l'innovation et puis en effet de solutions euh, nouvelles. Ouais, alors ce qu'on voit pour travailler aussi sur, euh, à l'international, on se rend compte que l'acceptation elle, elle varie aussi en fonction de la disponibilité de la ressource. Voilà. Malheureusement, on est toujours dans cette, dans cette réaction. Euh, ouais, il, faut, il va falloir sur l'eau recyclée il y a des vraies questions qui sont d'autres ordres que les questions techniques on a euh, des entreprises notamment Veolia qui ont, qui ont développé des oui. technologies de pointe je, je vais dire maintenant la technologie elle est, elle est sur l'étagère pour pouvoir reboire de l'eau qui sort des stations d'épuration j'ai peut-être fait un raccourci très raccourci euh, mais l'idée c'est que la techno elle existe et maintenant, on prône en fait de la, la, la qualité d'eau alternative à l'eau potable et ne pas utiliser de l'eau potable pour tous les sujets. Et ça, après avoir fait des économies. Noé, euh, peut-être sur prenez un micro sur ce que disait Julien. Alors, je ne sais pas s'il si a résumé euh, en 146, Mais est-ce que est-ce que c'est la réalité Est-ce que demain des eaux sortant de stations pourraient être utilisées pour le grand public et les usagers Est-ce que c'est déjà le cas Est-ce qu'il y a là aussi pour répondre à nos oui. difficultés que nous posons lors de ce débat alors, ben, si je reprends un chiffre intéressant, je viens de dire 14% de l'eau est réutilisée en Espagne. Or, quand on mange un avocat ici à Montpellier, ben, parfois, il vient d'Espagne. Et du coup, au fond, quelque part, ces questions de est-ce que ça se fera, oui, ça se fera, ça se fait déjà d'une certaine manière. Maintenant, ben, mine de rien, l'eau polluée, quand elle rentre dans la station d'épuration, elle est polluée. Quand elle ressort, elle est, elle est, elle est, elle est traitée, elle va dans les, ben, voilà, elle va dans les cours d'eau, etc. Si on ne la boit pas directement, c'est parce qu'elle a besoin de traitements en plus. Euh, ces traitements, ils existent. En revanche, là encore, pour que ça se répande, il faut que ça vaille le coup, mm -hmm. il faut que ce soit logique, il faut que la collectivité décide d'investir ici plutôt que là. Voilà. Et je pense qu'en fonction des endroits, euh, ce n'est pas forcément toujours euh, très malin. Nous, on a estimé qu'il qu y avait un cinquième globalement euh, des, 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 eaux, euh, qui pouvaient être des eaux usées en sortie de station d'épuration en France qui pouvaient être réutilisées. Euh, de manière intelligente. Et euh, sur ce 1 5 bien sûr, quand on est en littoral, eh ben, en fait, on ne prend pas l'eau qui sort des stations d'épuration des cours d'eau où elle sert de, de soutien au débit d'étiage. Du coup, quand on est en littoral, et particulièrement à Montpellier, ça a du sens parce que c'est la, euh, la dernière chance possible pour utiliser l'eau avant qu'elle se retrouve dans la mer. Voilà. Donc, notre point de vue un petit peu là-dessus. Donc, c'est des projets sur lesquels vous, euh, vous avez engagé des investissements et de la recherche euh oui, c'est ça. Enfin, pour deux exemples, après on suit le maître d'ouvrage là-dessus qui est la régie de Montpellier. Moi, je vous parle de, du territoire dans, sur lequel sûr. je travaille. Dans le projet de la station d'épuration Maera, il y a un, un fort volet de réutilisation des eaux usées traitées. Et, et ça, bah, c'est un, un, un projet qui est, qui est vraiment important, sur lequel on, on travaille énormément. Il y a aussi, pour le coup, sur les endroits où les, les stations d'épuration sont moins importantes. Euh, en termes de taille, parce que Mayra c'est quand même une très grosse station d'épuration, euh, on a développé un, un, un squid, c'est-à-dire une, une sorte de conteneur euh, sur lequel qu'on peut brancher aux stations d'épuration et notamment un peu partout. Et ça on le fait sur le, le territoire avec l'accord de, de la collectivité. On le met sur les stations d'épuration, donc il y a une, une unité de, de chloration, de traitement au, au, aux UV et puis de, de traitement physique enfin dans l'autre sens. Mais, et, euh, et ça permet à la fin d'avoir de, de l'eau qui est réutilisée. Pour servir aux usages de la station, parce que parfois pour faire des mélanges avec le réactif ou quoi, on a besoin de d'eau de, et donc on peut remplacer de l'eau potable par de l'eau réutilisée tout simplement et sans forcément avoir à faire mille concertations. Avec, euh, avec les usagers, les riverains et les futurs consommateurs. Voilà. Jean-François, peut-être vous complétez peut sur, le, sur le sujet, puis j'avais une question euh, et on passera ensuite euh, à, un autre, à un autre sujet, sur la question agricole, vous l'avez évoqué, euh, Eric Serva, euh, tout à l'heure, on parle là de la, de la consommation d'eau euh, pour euh, l'usage, euh, quotidien des, euh, des, des citoyens, mais il y a des questions aussi d'adaptation, hein, d'acceptation, de changement euh, chez les agriculteurs, les viticulteurs, chez toutes ces filières-là. Comment on l'appréhende on essaie de l'appréhender de façon partagée, concertée avec le monde agricole. On l'évoquait tout à l'heure, conduire des transformations, ce n'est pas évident lorsque déjà les exploitations agricoles sont soumises à des difficultés économiques comme ça peut être le cas aujourd'hui. Or, pour se transformer, assez souvent, il faut investir ou prendre des risques. Donc, lorsqu'on n'a pas la capacité financière à le faire, ça peut être un peu contraignant. Puis le monde agricole est un petit peu paradoxal aussi, c'est-à-dire qu'il souhaite avoir une sécurisation de, de l'accès à l'eau. Et parallèlement, et on l'a vu aujourd'hui, hein, ça a été publié dans les médias, ouais. la FNSEA a obtenu de la part de la Première ministre hein, le fait que les redevances des agences de l'eau ne seraient pas modifiées, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'augmentation des redevances agricoles. Donc on est devant une situation très paradoxale où on parle d'eau en transition comme nous y invite hein, Eric et le colloque de ce soir et quelque part, non on n'a pas envie de changer donc on a envie que ça soit le business as usual hein, le, le schéma qui se reproduit à l'infini or il va bien falloir pouvoir financer le plan national eau, les 53 mesures et ces 53 mesures, c'est pas le gouvernement qui les paye, c'est le cycle de l'eau lui-même, ce sont les usagers au travers des agences et il a été reconnu dans les comités de bassin que les exploitants agricoles ne cotisaient pas suffisamment et donc là, on rentre vraiment dans des disciplines également scientifiques, hein, qui sont les sciences sociales, hein, c'est-à-dire comment amener, en fait, hein, par des phénomènes d'influence positive, les acteurs, en fait, à accepter de devoir bouger, de devoir avoir des améliorations de leur position pour avoir des avantages à plus long terme. Donc en gros, c'est le rapport entre les efforts immédiats et ce que l'on peut en retirer de manière un petit peu plus lointaine. Ceci étant posé, parce que la question était assez précise, oui, l'agriculture, aujourd'hui, a des attentes qui sont extrêmement marquées. Elles sont marquées sur le plan de l'eau, si ce n'est que la réalité est hélas beaucoup plus large. Hein. C'est-à-dire que si une plante a besoin d'eau lorsqu'il fait sec, une plante est aussi influencée par la température elle est influencée par la qualité du sol. Quand le sol hein, se désertifie, et les chercheurs y travaillent, hein, Très régulièrement, il s'appauvrit et en s'approvisionnant, on peut toujours amener de l'eau, mais si les températures sont trop élevées, les itinéraires culturels vont être très profondément bouleversés. Donc on est là encore devant des exigences d'approche globale, interdisciplinaire, comme c'est évoqué. Le fait d'avoir le centre UNESCO qui soit présent permet d'apporter des connaissances qui vont un petit peu plus loin. Il y en a besoin aussi d'avoir des représentants de la profession agricole qui soient à même de considérer l'avenir, pas simplement qu'en termes de réseau d'eau, même si on les accompagne, mais aussi dans des approches globales. Et pour terminer sur le sujet, je crois qu'on essaye tous de promouvoir un nexus qui est assez complet, en fait, hein, qui associe l'eau, mais pas que l'eau, l'eau, l'énergie. L'alimentation et les écosystèmes. voilà, Et ce, ce nexus ou effet, en anglais, là, qui, qui est assez complet, doit être une manière d'envisager la relation au territoire, parce que si on ne l'envisage pas sous cette forme, la soutenabilité de nos transformations risque de ne pas être suffisamment efficace. Donc pour l'agriculture et pour faire court, il y avait un colloque ce matin à Narbonne. L'eau, voilà. une chance pour l'Occitanie, et la demande, c'est de dire. On a la chance d'avoir le fleuve le plus puissant de France, l'un des plus puissants d'Europe qui est le Rhône. Pourquoi l'eau du Rhône n'irait-elle pas jusqu'aux Pyrénées catalanes Voilà, c'est une question qui est posée. Voilà, elle se conçoit si ce n'est que la gestion n'est pas que quantitative et elle suppose d'avoir une approche globale concertée avec les collectivités et surtout du multi-usage pour un mix de ressources aussi qui peuvent se sécuriser mutuellement, mais on en parlera peut-être après. Elle n'est pas en effet euh, cette approche seulement quantitative, elle est aussi qualitative. Merci pour la transition. Hélène je vous êtes professeure de santé publique et environnement à l'Université de, euh, de Montpellier euh, au sein de l'UMR Hydrosciences. Euh, je voudrais qu'on parle de qualité euh, avec vous, euh, parce que euh, finalement, euh, c'est un sujet qui revient... Euh, euh, tout le temps et surtout en ce moment, on évoquait tout à l'heure, Eric Sarval le faisait, quelques sujets dans la région qui ont occupé les citoyens, les élus en termes de consommation. Il n'y avait plus rien au robinet, hein, très clairement. Mais on a aussi dans les des sujets ces derniers temps dont on s'est fait l'écho à midi libre autour de la qualité. Comment vous intervenez sur ce champ euh, de, la, de la qualité de l'eau alors, le champ de la qualité de l'eau est vaste, hein, oui. puisque la pression sur les substances chimiques euh, ne cesse de croître. Hein. Il faut avoir conscience que depuis les années 50, euh, la quantité et la diversité des substances chimiques a été multipliée par 50 et que quand on regarde les projections qui sont faites, ben, cette dynamique ne semble pas faiblir. Donc finalement, on a une diversité de substances chimiques hein, qui sont utilisées pour plein d'usages, hein, industriels, agricoles, domestiques. Et finalement, au travers de ces usages, in fine, l'eau est souvent finalement le récepteur final associé aux différents usages. Alors, La diversité des substances chimiques est large. On peut parler des hydrocarbures, qui sont notamment associés au transport. Tous les pesticides associés aux activités agricoles non négligeables. Vous avez tous les conservateurs. Les conservateurs, on parle aussi beaucoup des microplastiques. Et nous, dans le cadre de nos activités donc, euh, au sein du centre UNESCO, on a beaucoup travaillé sur la problématique des résidus de médicaments, aussi peut-être parce qu'on a une coloration euh, santé au, au sein de notre structure, et qui sont considérées comme des, des, des molécules émergentes pour lesquelles on avait relativement peu de données pendant mm -hmm. un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, finalement, on a acquis de l'information euh, sur, euh, sur ces molécules-là, qui sont également des micropolluants. Et elles viennent enrichir, finalement, aujourd'hui, le panel des micropolluants à surveiller dans les milieux aquatiques. Et de manière globale, alors je ne sais pas si vous pouvez répondre complètement à cette question, mais quand on s'inquiète de la qualité de l'eau liée aux éléments que vous évoquez, que vous évoquez, est-ce qu'on a raison Est-ce qu est que les citoyens en reçoit Vous ne pouvez, pouvez pas savoir quantité de courriers, quantité de commentaires de citoyens qui s'interrogent au-delà de la quantité sur la qualité de l'eau. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, notre eau, elle est pure Alors je dirais que, au regard de la diversité des molécules qui sont présentes, on a un réel besoin d'acquisition de connaissances. s'il y a des polluants aujourd'hui dont on connaît bien donc, le devenir et les impacts sur les écosystèmes, je parle des polluants de type hydrocarbures, on a déjà donc une bonne connaissance sur des contaminants émergents ou sur des contaminants qu'on appelle aujourd'hui, peut-être vous faites référence à un certain type de, de contaminants aujourd'hui dont on sait qu'ils sont très mobiles ouais. dans les milieux aquatiques et qui finalement se retrouvent dans les, dans les différents compartiments. On a encore un besoin à la fois de connaissances sur les mécanismes de transfert, sur les, sur les, les différentes molécules présentes en termes de transformation et également sur les profils de toxicité. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, pour bien conduire une évaluation des risques, à la fois pour l'environnement, et les risques pour l'homme au travers notamment, je pense, euh, aux eaux potables, on a vraiment un besoin d'acquisition de connaissances, tant en termes de modalités de surveillance, mais également en termes de profils toxicologiques et écotoxicologiques de ces substances, de manière à ce que l'évaluation du risque soit conduite de façon euh, cohérente et qu'on puisse répondre à votre question correctement. C'est-à-dire que sans avoir des données bien construite sur les profils toxicologiques des substances et sur les niveaux de concentration on ne peut pas répondre euh, à votre question et je dirais que l'eau est effectivement un vecteur donc d'exposition euh, donc euh, quand on parle des écosystèmes quand on parle d'un certain nombre de polluants que l'on peut retrouver euh, dans, dans les eaux de consommation mm -hmm. lorsqu'on parle de problématiques de ponctuellement de, dépa, de dépassement des limites de qualité, la question qui se pose c'est d'abord est-ce qu'on dispose aussi d'une valeur toxicologique de référence pour évaluer si même s'il y a un dépassement ponctuel il y a un risque pour la santé humaine. Et j'ai oublié là où je voulais en venir. Euh, mais donc en fait globalement en fait c'est pour répondre à cette question là on a besoin d'acquérir des connaissances. Et tout à l'heure on parlait de, du travail des scientifiques. Je crois que les scientifiques ont un travail considérable à accomplir aujourd'hui. Vous avez plus de 3000 substances qui ont été référencées dans un article récent. Donc on a forcément besoin aujourd'hui de l'aide des scientifiques pour répondre à ces interrogations, tant en termes de surveillance qu'en termes de profil toxicologique et écotoxicologique des substances. Bien compris. Est-ce que la recherche est poussée Est-ce que pour que ça fonctionne, il faut évidemment qu'il y ait des accompagnements. On voit bien ici, ce soir, on le voit à l'université. Est-ce que vous diriez qu'en France, on est plutôt en avance sur ces questions-là par rapport à d'autres pays européens Est-ce que la recherche sur ces sujets est suffisamment prise en compte par les pouvoirs publics Alors, la recherche sur les, sur les contaminants dans l'ensemble, en fait, aujourd'hui, elle est, elle est tout de même bien prise en compte. Hein. Euh, Aujourd'hui, vous avez un, un programme euh, qui est piloté entre autres par les BRGM, l'INRAE et le CNRS euh, comme l'eau comme bien commun, où on s'interroge sur cette question hein, de l'eau euh, comme, un, comme un bien commun, mais également l'eau qui nécessite euh, d'avoir des systèmes de surveillance qui sont cohérents et qui nécessite d'être bien, bien caractérisés aussi en termes de contamination. Donc différents projets de recherche sont conduits, mmh. à, à, par, avec des financements ANR, mais également des financements européens pour répondre à ces questionnements. Et je dirais également que dans le, dans le cadre du, du changement climatique, hein, ces questions sont d'autant plus prégnantes, mmh. puisque euh, vous parlez de raréfaction d'eau, donc forcément tout le monde va penser à concentration. Et avec une pression, une pression probablement plus forte pour les écosystèmes. En période estivale, on parlait de la différence entre l'été et l'hiver, donc avec des pressions plus fortes. Ensuite, je dirais également que, comme ça a été évoqué, finalement, on commence, au euh, regard de la raréfaction de la ressource en eau, on va avoir des transferts finalement des masses d'eau. Qui dit transfert des masses d'eau dit aussi transfert de micropolluants. Mm -hmm. Et finalement, il y a vraiment des questions donc recherche qui sont associées à ça, c'est-à-dire finalement, on va, on va transférer ces masses d'eau, mais que deviennent les micropolluants Et à titre d'exemple, on a conduit des, des projets de recherche qui ont été euh, financés euh, sur Montpellier par différents appels à projets, à la fois universitaires, régionaux et autres, et européens, sur la problématique justement de la réutilisation des eaux usées et du de devenir des micropolluants dans le cadre de la réutilisation des eaux usées. Et plus particulièrement, euh, entre autres, en tout cas, nous, on travaillait sur, sur les produits pharmaceutiques, pour, pour justement pouvoir estimer donc, ce risque associé à ce transfert. Risque de transfert au niveau des sols, mais également euh, sol-plante. Et, et les résultats étaient plutôt euh, rassurants, justement, sur mm -hmm. ces problématiques de transfert. Et la capacité également, il faut également prendre en considération l'évolution de la capacité d'épuration des systèmes. Des capacités auto-épuratoires des milieux aquatiques, mais également donc des sols. Et lorsque les sols sont soumis à des contraintes hydriques fortes, on a une modification forcément des caractéristiques du sol. Donc derrière, des modifications de transfert des polluants organiques et des modifications des capacités de biodégradation également. Patricia Lisnar, vous êtes docteur en pharmacie, maître de conférence à l'UFR de pharmacie, directrice adjointe de l'UMR Hydrosciences. Quels sont les sujets sur lesquels vous-même vous travaillez autour de la qualité de l'eau en ce moment Alors, Je suis microbiologiste, donc je m'intéresse au cycle en particulier de l'antibiorésistance. Euh, voilà une problématique que tout le monde connaît donc ces bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques alors ça peut paraître un peu déconnecté de l'eau mais, euh, mais non puisque ben, pendant longtemps on a considéré l'antibiorésistance comme une problématique strictement euh, humaine enfin, majoritairement humaine et puis on s'est aperçu que c'était lié aussi au monde vétérinaire et bien sûr à l'environnement avec l'eau qui fait le lien entre tous les, tous les compartiments alors, mes problématiques, ben, elles, se, elles se rapprochent se un petit peu quand mm -hmm. j'écoutais Hélène. C est, c est un petit peu, on peut transposer son discours en, en remplaçant contaminants par micro-organismes. Euh, alors, on, on, on étudie ce cycle de, de l'antibiorésistance dans l'eau, parce que l'eau, finalement, c'est un réceptacle de contaminants. Et ces contaminants, qu'ils soient antibiotiques ou autres, enfin, toutes nos activités anthropiques, produisent des, des, des contaminants qui peuvent driver l'antibiorésistance. Alors cette antibiorésistance, ben, elle vient de, donc, de nos activités et dans l'eau, on va retrouver des bactéries hydriques, mais des bactéries aussi humaines qui peuvent, euh, voilà, qui, tout, tout se mélange dans cette eau, on peut avoir des, des émergences. Et donc on travaille sur la dynamique de cette, de cette antibiorésistance sur, sur le territoire de Montpellier. Avec quels résultats, avec euh, quelle illustration dans les travaux de recherche que vous pouvez faire Alors, dans nos travaux de recherche, ben, on, a, on a regardé ce qui se passait, par exemple, au niveau de la source du lèse, mm -hmm. qui va alimenter Montpellier en eau potable, donc, euh, et dans d'autres eaux destinées à la consommation humaine. Euh, finalement, on a trouvé très peu d'antibiorésistance. Donc, euh, voilà, c'est assez, euh, assez rassurant dans, dans ces premières études. On continue les investigations. Euh, on a également euh, euh, mis en évidence que dans, les, dans la ville, les cours d'eau urbains, les petits cours d'eau urbains, pouvaient être des, ce qu'on appelle des hotspots euh, d'antibiorésistance, donc des, des lieux où on trouve euh, bah, significativement plus de gènes de résistance ou de bactéries résistantes. Est-ce qu'il y a des. Euh des sujets et de, des travaux de recherche complémentaires qui, à vos yeux, devraient être conduits dans les prochaines années par rapport à aussi ce que disait Hélène, le réchauffement climatique, cette transition et puis cette évolution euh, rapide euh, de, de la situation Alors, effectivement, par exemple, on a, dans, dans l'équipe, on a un chercheur qui s'intéresse plus particulièrement à, à, aux bactéries qui s'appelle Vibrio. Qui, euh, qui peuvent causer des, des infections chez l'homme et qui se développent quand il y a des réchauffements, quand, quand l'eau euh, euh, voilà, augmente en température. Donc euh, effectivement, là, il y, y a une problématique. On étudie également, euh, on va étudier l'antibiorésistance à, à travers un gros projet euh, avec des, les problèmes d'inondation qui mm -hmm. peuvent là aussi perturber les flux d'eau et perturber les contaminants, les contaminations éventuellement. Euh, avoir un impact sur la, les micro-organismes. Julien Baroni, on a euh, évoqué beaucoup de, beaucoup de chiffres, beaucoup de, 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 de problématiques, euh, et au cœur de tout ça, il euh, y a l'humain. On, on, on s'en est rendu compte finalement, hein, parce que chacun dans ses projets, euh, chacun dans ses, dans ses ambitions, a essayé de remettre euh, l'humain au cœur du, du sujet. Euh, alors, c'est ce que vous avez fait euh, dans votre entreprise, et je voudrais qu'on puisse parler de votre expérience et de cette initiative avant de passer la parole à, à Eric Serva qui. Euh, Globalisera les, les échanges. Ah oui, cher Eric, euh, évoqué euh, à l'instant. Et comment vous avez mis l'humain au cœur de votre entreprise sur la thématique de l'eau Alors, déjà, on, on a eu la chance, en fait, de mener une étude commandée par, par la région sur l'étude de toutes les opportunités euh, du, du recyclage de l'eau sur l'Occitanie. Et on s'est aperçu, euh, alors du coup, du coup, on a été exhaustif euh, dans les usagers. Euh, potentiel et on s'est rendu compte qu'en fait on était nous entre techniciens euh, on parlait de l'eau euh, pour nous il n'y avait pas de sujet sur euh, certaines euh, thématiques de traitement et que c'était pas vrai pour tout le monde et on s'est aperçu en fait que certains projets pouvaient être bloqués euh, par euh, l'acceptabilité par euh, la co-construction en fait avec des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs de l'eau qui, le, qui est le préambule en fait de du changement de gouvernance et euh, on a décidé de recruter donc Armand ce qui est qui est, qui est là au premier rang qui est docteur en psychologie qui va nous aider en fait à intégrer le facteur humain au, au niveau de nos projets techniques Est-ce que vous autorisez qu'on donne la parole oui, à, à Armand peut-être si bien vous voulez sûr, bien vous, vous rapprocher peut-être pour nous expliquer rapidement ce que, ce que vous faites on va vous donner un micro si vous voulez bien Patricia donnez le micro, bonsoir Oui, bonsoir oui, donc, je suis Armand Valette. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai rejoint récemment le bureau d'études des V2E. Au euh, niveau de mon parcours, donc j'ai un doctorat en psychologie sociale et environnementale que j'ai soutenu en 2017 au sein du laboratoire Chrome à l'université de Nîmes. J'ai travaillé six ans dans une fondation rattachée à l'université, dont les deux dernières années en tant que responsable, enfin, co-responsable du département sciences humaines et sociales. Et depuis le mois d'octobre, donc j'ai rejoint l'équipe de Julien Baroni pour travailler effectivement sur la thématique de l'eau et de la place de l'humain dans tous ces projets très, très complexes dont on a parlé depuis le début de la soirée. Donc j'espère qu'on va pouvoir justement avancer sur ces sujets. C'est en construction actuellement avec Julien et les équipes de DV2E. Merci beaucoup. Merci. Eric, on va vous passer un micro euh, là, ici. Euh, on, on est sur la fin de, de cette table ronde puisqu'on avait fixé euh, une heure. Euh, alors, vous aviez fait une introduction euh, en, en insistant beaucoup hein, sur euh, l'aspect euh, local, cohésion euh, et euh, finalement euh, euh, ambition euh, de, de proximité. Qu'est-ce que vous en euh, retenez de euh, ce que les uns et les autres ont pu, euh, ont pu évoquer Alors Ce que j'en retiens, c'est d'abord finalement que ce qu'on essaye souvent de rappeler, c'est-à-dire la complexité du sujet, elle est manifeste à travers les différents types de, 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 comment dire, à la fois d'interventions, d'actions qui sont menées par, par les uns ou par les autres. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est de bien souligner le fait que ça nécessite... Euh, l'implication de différents types d'acteurs euh, autour de cette table ronde qui n'est pas ronde, comme le rappelait euh, Philippe euh, tout à l'heure. Euh, donc euh, vous avez des scientifiques, des chercheurs, euh, vous avez des aménageurs, euh, vous avez euh, des exploitants, vous avez des bureaux d'études techniques, vous avez des collectivités territoriales. Mm -hmm. et, et je crois que ça souligne, alors vous me direz, dans d'autres domaines, c'est la réalité, etc. Oui, sans doute. Mais je crois que dans le, le domaine de l'eau, c'est encore plus important, plus visible, et, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une telle transversalité et une telle présence de la place de l'eau dans nos sociétés à tous les niveaux, euh, dans tous nos types d'activités. Alors, euh, on voit souvent les choses à travers ce qu'on fait ou ce qu'on voit au quotidien, mais dans tout ce qu'on fait finalement, dans, dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité de, des sociétés ou de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, l'eau a une place importante. Et donc elle nécessite finalement la contribution des uns et des autres. Si vous voulez justement, moi, et je suis vraiment heureux de souligner ça, souligner la diversité des acteurs et aussi souligner l'implication de ces acteurs. Parce que j'entends trop souvent, et ça a vraiment le don de m'agacer, J'entends trop souvent des gens qui tiennent des discours qui sont des discours où on fait des constats. Alors, effectivement, c'est vrai que si aujourd'hui on fait un constat, le constat n'a pas de raison d'être particulièrement optimiste. Euh, on constate effectivement une raréfaction de la ressource. Euh, Hélène, Patricia évoquaient des problématiques liées à la qualité de l'eau. Euh, voilà, donc on, on évoque le fait que les usages sont des usages concurrentiels. Voilà, donc c'est vrai que quand on fait un constat, finalement le constat euh, pff, voilà mais euh, ce constat finalement euh, il, il n'a pas valeur de, de renoncement et, et je crois que ce que montrent les uns et les autres autour de cette table ici c'est que précisément il y a au quotidien des scientifiques, des ingénieurs, des responsables dans des services qui tous travaillent aujourd'hui d'arrache-pied pour euh, faire face à ces difficultés, relever ces défis et faire en sorte qu'on puisse trouver, alors si je dis le mot solution, je vais encore me faire assassiner, mais, mais malgré tout, c'est bien de trouver des solutions pour relever ces défis et faire en sorte que dans toute cette complexité qui est devant nous, on puisse trouver des voies de passage et faire en sorte que, notamment l'adaptation qu'évoquait Jean-François tout à l'heure, ou l'adaptation aussi qui est évoquée, c'est le, le A que, que Régis a, a privilégié. Que donc cette, à cette adaptation, on puisse fournir des éléments qui permettront de la mettre en œuvre. On ne va pas changer les choses du jour au lendemain, on ne va pas révolutionner les choses du jour au lendemain. Il faut du temps, qu'on le veuille ou non, il faut du temps. Mais pour que ce temps soit constructif, eh bien, on a besoin des efforts de tous. Et trop souvent, on oublie ça. On se, finalement, on, on se focalise sur des constats. Et on en reste là. Non, les constats, on les fait. Les constats, ils sont faits par les équipes dans les laboratoires, ils sont faits par les ingénieurs dans les entreprises, ils sont faits par les ingénieurs euh, qui travaillent dans les services techniques des collectivités territoriales. Et, et là aussi, un autre point qui me semble important, c'est qu'au-delà de ce constat et que de tous ces groupes qui font ces constats, il y a des interactions fortes mmh. entre les uns et les autres. Je veux dire, euh, euh, réellement... Euh, on discute très souvent avec Jean-François. On discute avec Noé. On discute avec Julien. On discute avec Régis. Et ces interactions, elles sont absolument essentielles pour relever ces défis. Et ce que je voudrais vraiment, c'est faire passer ce message qui est que, euh, au-delà de ces difficultés qui sont devant nous, et il faut avoir la, la lucidité d'esprit de ne pas les cacher, il y a chaque jour, partout sur le territoire, des gens qui travaillent pour trouver des solutions et qui ne travaillent pas de manière isolée, mais qui font en sorte que les réflexions des uns et des autres puissent amener à construire les projets et les solutions dont nous avons besoin. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Au-delà du constat, il faut aussi apporter un message qui soit un message constructif, positif, parce que c'est la réalité, parce que sans ça, tout le travail que nous faisons les uns et les autres au quotidien n'aurait pas de raison d'être. Finalement, c'est presque l'usager, le, le consommateur, qui reste à convaincre plus que beaucoup de collectivités, d'entreprises, est-ce que euh, vous diriez ça Alors je vous vois au la tête, et t'as mieux, parce que ma question a cette vocation-là, mais qu'est-ce que vous diriez ben, je, je dirais que le, le consommateur, c'est pas un spécialiste du domaine de l'eau, et donc il faut être en mesure de lui apporter un discours et une information qui soit complète. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc euh, moi, en tout cas à titre personnel, et je crois que tous les gens qui sont là euh, sont aussi dans cette démarche, nous essayons régulièrement de faire passer un message qui soit un message complet, qui, qui ne cache pas la réalité, mais qui explique aussi que il y a des directions dans lesquelles nous nous engageons tous pour faire en sorte, je reprends ce que j'ai dit précédemment, de trouver des voies de passage dans cette complexité. c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir avec cette table ronde. on va remercier nos intervenants. merci beaucoup. Est-ce qu'on a le droit à deux, trois questions peut-être On peut prendre deux, trois questions Allez, qui voudrait poser une question J'ai compris que vous vouliez poser une question, évidemment, si vous me posez la question. Alors, on va te prendre un micro. Merci beaucoup. Denis Guibard, je suis directeur académique et scientifique d'une nouvelle structure qui s'appelle Terra Academia. Et euh... Et je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Je ne suis pas du tout un spécialiste de, de l'eau, mais vous avez évoqué le fait qu'il y avait à peu près toutes les parties prenantes qui étaient autour de cette table ronde et qui travaillaient ensemble. Il m'a semblé quand même qu'il y avait un point qui n'était pas vraiment évoqué, c'était la composante pédagogue. Enfin, vous l'avez un petit peu touché sur l'information, mais ça va plus loin que ça, c'est la question des, des compétences. Il y a le monde académique au travers, mais qui a parlé recherche, qui n'a pas parlé formation. Est-ce qu'aujourd'hui, aussi bien sur les niveaux d'expertise dans vos différentes activités, que d'un côté plus général, notamment pour les décideurs à différents endroits, on a les compétences suffisantes, qualitativement et quantitativement, pour relever tous les défis que vous avez évoqués Merci pour la question. Qui voudrait euh, réagir Allez, réagissez, Jean-François. Ne battez pas. Hop. Ça va être une réponse en tant que chef d'entreprise, pas, pas dans, dans une vision académique. On est très clairement sur des ressources pénuriques aujourd'hui, d'autant plus pénuriques que les universités ou l'enseignement supérieur en sens large, en incluant les écoles d'ingénieurs, ne produisent pas, si une approche quantitative, hein, voilà suffisamment en fait hein, de, de personnel qualifié pour qu'on puisse les embaucher. On a peur également devant nous du, du mur d'investissement nucléaire qui va amener en fait une bonne partie de l'ingénierie à et notamment l'ingénierie technique à se concentrer sur ces grands enjeux, et il en faut. Et donc, on a effectivement des interrogations, des interrogations assez fortes. Alors, après, on travaille sur la formation continue de nos collaborateurs pour qu'il y qu'on puisse cranter des compétences supérieures, donc ça c'est des points qui sont, qui sont aussi importants. Et puis on se pose la question, comme on l'évoquait en termes d'interdisciplinarité, d'avoir des esprits qui soient très ouverts et pas simplement des purs players de certains domaines techniques, de sorte à ce qu'ils puissent évoluer, qu'ils puissent se confronter à la complexité de ces différents sujets et avoir des approches les plus systémiques possibles. Et ça, ça n'est pas évident, c'est vraiment complexe. Ensuite, se pose le problème de l'attractivité salariale. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises se font happer, en quelque sorte, leurs compétences par les collectivités territoriales, mais qui en ont besoin aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a une compétition par rapport, euh, par rapport aux compétences de manière assez marquée. Puis, enfin, le dernier point, c'est qu'on a de nouvelles exigences normatives qui viennent du régulateur. Je pense notamment le régulateur européen, avec des réglementations comme la taxonomie verte, comme la CSRD qui sont des, des exigences qui sont très élevées en matière de qualification des processus et d'impact environnementaux de, de nos activités. On l'avait déjà dans la déclaration de performance extra-financière, mais là, ça va encore plus loin. Et aujourd'hui, quand on se retourne, on n'a pas de compétences qui puissent incarner, en fait, sous un angle très large, qui va depuis la responsabilité sociétale des organisations jusqu'à des compétences un petit peu plus techniques des ressources qui soient à même justement d'alimenter ces réflexions. Donc le paradoxe, c'est qu'on a un mur de changement climatique et pour y faire face, on va, avoir, on va devoir non seulement transformer les organisations, mais transformer aussi les compétences et les manières de faire agir entre elles. Donc si je puis dire, il faut que les organisations elles-mêmes et les entreprises soient des structures apprenante et d'apprentissage. Et ça, c'est un vrai défi parce que on n'y est pas tous hein, totalement préparés. Et c'est un mindset qui va être hein, très déterminant pour que les entreprises prennent une part très active au grand chantier de l'adaptation. Allez, une autre petite question. Est-ce qu'on a juste un timing euh, un peu serré juste 15 secondes, Une Noé. petite réponse sur la question oui. de, de la pédagogie vis-à-vis -vis de l'extérieur, des compétences vis-à-vis -vis de, de l'écosystème extérieur, parce que je pense que ça, ça faisait partie aussi de la question. Euh, en fait, lorsqu'on est une entreprise bon, bah, avec autant de, de, de parties prenantes qui sont tous les, tous les consommateurs, chez Veolia, il y a un verre un ver sur trois est servi avec de l'eau qui est produite par Veolia. On se pose la question de comment on engage avec les consommateurs et les usagers. Et ce qui est vrai, c'est qu'au fur et à mesure que le sujet devient prégnant dans l'actualité, eh ben, on a de plus en plus de questions auxquelles on est sommé de répondre, nous, professionnels de l'eau. Et ce qui est bien, c'est que cette demande des personnes tire les compétences. Euh, pédagogue de tous les salariés euh, et je pense que je dis ça pour Veolia mais je peux dire ça au nom de tout le secteur euh, et en général aussi au, au niveau des collectivités on se doit de se former sur la, les questions du changement climatique et je dirais pas qu'on a des compétences des spécialistes, on en a mais euh, je trouve que de plus, de plus en plus tous les salariés se font les porte-parole, vont expliquer euh, les usines qui jadis c'était des endroits qu'on qu cachait qu'on mettait en bordure de la ville euh, et qu'on cachait derrière des grandes haies et des grands arbres, les stations de, tra de traitement euh, deviennent des endroits où on fait des inaugurations, où on fait des fresques et on fait des visites tous les mois où il y a des écoliers qui viennent. Et je trouve ça euh, très sain. Voilà, et je, je pense que c'est quelque chose de, de bien, de d'exhumer ces sujets, de les montrer, de former et de commencer par les plus jeunes générations. Voilà. Hélène. Oui, non, juste pour compléter, pour dire que sur Montpellier, il y a un certain nombre de, de formations dans le domaine de l'eau, hein, que ce soit école d'ingénieurs ouais. ou également euh, des formations de master. Et qu'elles essaient, enfin en tout cas qu'elles s'adaptent aux besoins aujourd'hui qui sont évoqués par les différents acteurs qui sont présents autour de la table, et que cette ouverture aujourd'hui est ouverte à l'apprentissage. Donc, on essaie d'impliquer de plus en plus cette interaction entre les, les, les professionnels et finalement notre formation donc universitaire pour répondre à ces enjeux-là. Et, et l'objectif, effectivement, est d'avoir donc un, un vivier finalement d'étudiants qui peut répondre à, à cette ambition-là, euh, sachant qu'aujourd'hui, effectivement, nos étudiants n'ont aucune difficulté mmh. euh, à investir euh, le, le monde du privé puisque l, la demande est forte et, et les interactions euh, sont, sont présentes. Merci beaucoup. Les questions ici, questions courtes parce qu'on est serré par le timing. Allez-y. Justement, euh, ma première question s'adresse à M. Euh, Baroni. Euh, on, on parle souvent de réutilisation des eaux, on parle de, aussi des dessalements en, en technologie membranière. Je sais qu'au euh, au niveau territoire national, on est moins, moins concerné. Par contre, euh, des effets secondaires qu'on déclenche derrière, euh, je parle précédemment des salements. On en voit maintenant, je, je pense, le jour d'aujourd'hui avec la, le stress hydrique, ça pousse partout. Au Maroc, il y en aurait une quinzaine sur le territoire. Ici, avec la, la richesse des, de poissons, notamment dans, 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 dans les mers, et avec les effets secondaires, justement, au terme scientifique. Est-ce qu'il y a des réflexions sur ce point euh, Je rebondis sur, sur un petit point que M. Eric serva a précisé, où il parlait des enfants qui partaient, dans, notamment dans, au côté international, ou des enfants qui partaient chercher de l'eau à, à des montagnes. J'en fais partie. Euh, je vous assure que ce n'est pas que des filles. Je suis un garçon et j'ai fait des kilomètres pour chercher dans le fond, au sud, au sud de l'enfant au sud-est du Maroc. Euh, je vous envoie juste un message d'alerte aussi parce qu'on en a tous, je pense, vu du oasis. Euh, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est écramé. Euh, quand on voit les nappes, euh, l'eau à l'époque était à 12-15 mètres de surface. Aujourd'hui, c'est à 250. Au jour d'aujourd'hui, au niveau national en France, on mange de la pastèque qui vient de Zagora. Zagora, c'est de, de sable. Ma question dans ce point, c'est que oui, au niveau national, on fait des efforts de sensibilisation, mais au niveau international, c'est catastrophique. Et juste là, on envoie un, un message à, à, à la métro de, métropole de Montpellier, qu'ils ont des projets euh, dans la coopérative, notamment avec Maroc, Mauritanie, Sénégal et je pense aussi la Palestine. il font un grand effort sur ce point. Et je leur envoie un, un merci de, de cette réunion ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, pour vos questions. Je vous laisse répondre peut-être tous les deux pour ouais, compléter. Allez-y, après. Euh, alors, sur la partie recyclage de l'eau, même si c'est de l'eau dessalée et qui vient alimenter les usages potables, le, le, le recyclage de cette eau, une fois consommée une première fois, sera possible. Euh, le dessalement de l'eau de mer, c'est la dernière étape quoi c'est je vais pas dire c'est celle où il faut pas arriver parce que j'ai pas de boule de cristal euh, mais ce euh, sera vraiment euh, euh, ouais, le dernier recours voilà donc euh, sur, sur cette partie là et ensuite sur le Sénégal euh, puisqu'on accompagne la Métropole de Montpellier sur le recyclage de l'eau au Sénégal on est, on fait partie de l'opérateur dans un premier partenariat innovant ONG entreprise euh, qui œuvre au Sénégal donc sur la sur la région de Fatik euh, on prend beaucoup d'enseignements aussi euh, de ce qu'on voit là-bas. Et je ne vais pas dire qu'on commence à avoir les prémices là, sur le, la littorale méditerranéenne, mais il y a quelques images qui, euh, qui peuvent être similaires. Voilà. Ouais, alors, sur, sur le dessalement, alors, effectivement, on, on échange beaucoup avec euh, nos homologues du, du Maroc en particulier, et on sait que c'est la solution sur laquelle euh, ils souhaitent miser euh, fortement. Euh, au niveau régional, euh, on n'est pas forcément sur cette même option. Euh, bon, je ne l'ai pas évoqué, hein, mais dans, dans le, le plan régional, on parle de mix de solutions hydrauliques, un peu comme on parle de mix de solutions énergétiques. Mais le dessalement, objectivement, ne fait pas partie de ce mix pour l'instant, euh, même si la tentation peut être grande puisqu'on a la Méditerranée tout près. Mais en réalité, il euh, y a des problématiques de coûts euh, du dessalement qui se posent. Et puis, enfin, voilà, par rapport à l'énergie, il y a aussi un impact sur l'environnement avec le rejet des saumures qui, qui est très significatif. Euh, et pour simplement illustrer un peu cette réflexion-là, on est allé récemment voir nos homologues de Barcelone qui ont construit une usine de dessalement, c'était juste après la sécheresse de 2008 de mémoire. Il y avait un tanker qui était venu de Marseille apporter de l'eau à Barcelone qui avait marqué aussi les esprits. Euh, L'usine a fonctionné pendant à peu près deux ans jusqu'en 2010. Et ensuite, pendant les dix années qui ont suivi, elle a été mise à l'arrêt parce que simplement, c'est trop cher. Euh, elle a refonctionné depuis de, 2022, certes, mais c'est vraiment la solution de dernier recours. Et là, je vais prendre sans doute les, les propos que, que Jean-François aurait pu tenir, mais on partage cette même idée que globalement, il y a beaucoup plus de choses à faire sur l'eau terrestre, c'est-à-dire que l'eau avant qu'elle n'arrive à la mer. Et l'exemple d'Aqua est un très bon exemple, c'est-à-dire que plutôt que de laisser l'eau du Rhône, alors je ne vais pas dire se perdre à la mer, hein, parce qu'elle est utile aussi à la mer, mais euh, on a tout intérêt à la capter euh, sur la partie terrestre plutôt que de la dessaler ensuite, ce qui coûte beaucoup plus cher. Un grand merci à nos témoins. Merci beaucoup pour cette table ronde. Merci. Et très bonne soirée. Merci.